Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une émission d'actualité donc sur le mois de juillet, le mois de juin, etc. Donc sur avec comme sujet évidemment les mythes antiracistes, le coronavirus qui accentue sa mythologie alors qu'il est absent, le mythe des masses et notamment bon la guerre mythologique de l'antiracisme qui essaie de nous contraindre par rapport à la radicalité qui risque d'arriver dans les mois prochains. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà par rapport à ce qu'on a vu par rapport aux affaires Traoré, George Floyd aux États-Unis? On a vu que ça a essayé de s'importer dans la société française avec les gilets jaunes qui réagissaient en fonction de ça. Peut-être quelqu'un peut prendre la parole là-dessus. Moi, je pense que en préalable, pour que cette émission ait toute sa portée historique et toute sa destination subversive, il faut rappeler à nos auditeurs que nous ne parlons pas simplement d'un lieu. Il n'y a pas l'information du Capital, et puis nous, alors on serait une agence de contre-information. Le vrai n'est pas neutre. Le vrai n'est pas un objet. Le vrai est un rapport social. Donc, de quel lieu parlons-nous? Nous parlons du seul lieu qui fait vérité historique. Nous parlions du lieu qui s'appelle lutte de classe communiste pour l'abolition de l'argent et pour l'abolition de l'État. Et nous en revenons toujours à cette fameuse section 1 du Capital sur le fétichisme de la marchandise et son secret, sur le mensonge généralisé de la domination réalisée de la marchandise. Nous savons, dans la trajectoire des groupes communistes ouvriers qui ont repris le flambeau des groupes communeux paysans, que dans la longue histoire radicale qui a abouti au manifeste communiste en 1848, puis aux luttes de classe en France, puis à la guerre civile, nous savons qu'il y a le vrai et le faux, et que tout ce que produit la vérité officielle du capital est le faux. La vérité officielle du capital, du coronavirus, c'est le faux. La vérité officielle de toute la pathologie moderniste, homosexualiste, écologiste, féministe, antiraciste, c'est le faux. Quel est l'objet du capital? L'objet du capital, c'est de circonscrire et de neutraliser la lutte de classe. Le capital n'a qu'un ennemi. Le capital n'a qu'un ennemi. C'est le prolétariat universel qui s'insurge pour abolir l'État et pour abolir la marchandise. La crise du coronavirus, on ne va pas revenir, puisque déjà dans deux émissions, on en a parlé longuement, le coronavirus est un mensonge spectaculaire du fétichisme de la marchandise. Il n'y a pas de coronavirus comme spécificité virale à dangerosité particulière. Nous avons vécu une grippe classique sous des formes virales différentielles, mais nous savons qu'à la fin de l'année, statistiquement, comme cela est évident à travers les travaux de Perron, les travaux de Raoult, les travaux d'Arael en Israël, que le virus est mort. Le virus est mort. C'est-à-dire qu'il y a la science mondiale du capital. Il y a le mondialisme terroriste de la santé cosmopolite du capital à travers ses agences internationales, à travers l'OMS, à travers les multinationales du capital. C'est la vérité du capital pour casser la lutte de classe. Et il y a un certain nombre de fantassins honnêtes sur le terrain. Il y a effectivement Perron, il y a effectivement Raoult, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui nous disent, qui nous démontrent que le virus, c'est fini. Et d'ailleurs, il le démontre tellement bien qu'il n'y a pas de débat. Les mensonges de la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de débat. Les mensonges de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de débat. Les mensonges du coronavirus, il n'y a pas de débat. Pourquoi il n'y a pas de débat? Et on retombe sur le texte de Marx de la critique de la censure 1842-1843. Le capital ne peut pas accepter un débat contradictoire sur les mensonges constitutifs qui structurent, qui produisent et qui reproduisent l'aliénation. Donc, il n'y a pas de débat. Le coronavirus est un mythe obligatoire. C'est un mythe obligatoire. Et pourquoi c'est un mythe obligatoire? Parce qu'à travers cette recomposition fantasmatique qui a permis de cacher le grand effondrement économique, le capital veut restructurer la domination et la docilité. Et aujourd'hui, le capital sait très bien que dans les mois qui viennent,
octobre, novembre, décembre, le mouvement social qui va résulter de la déstructuration industrielle, commerciale, bancaire et monétaire, qui ne résulte pas du coronavirus, puisqu'il était antérieur au coronavirus. Le coronavirus est un mensonge spectaculaire qui a été créé de toutes pièces pour cacher l'effondrement économique et pour faire croire que l'effondrement économique n'était pas l'effondrement de l'économie, mais que c'était effectivement quelque chose qui résultait d'une crise sanitaire. Mensonge, imposture, tout ce carnaval fétichiste marchand va s'écrouler. Donc, on est en train, alors qu'il n'y a plus rien en termes viral, puisque cette grippe saisonnière, comme toutes les grippes saisonnières, s'est dissipée avec le retour estival, on est en train de nous créer un nouveau reconfinement, les masques obligatoires, la docilité, le contrôle mental, pourquoi pas le puçage, le vaccin obligatoire, le contrôle industriel généralisé du capital à l'échelle mondiale. Pourquoi ? Parce que le capital n'a qu'un ennemi, c'est la lutte de classe du prolétariat et qu'il faut casser la lutte de classe du prolétariat. Donc casser la lutte de classe du prolétariat, c'est créer le mythe du coronavirus, c'est faire croire, alors que la grippe saisonnière a disparu, qu'elle est en train de revenir, parce que bien évidemment, on va se retaper une grippe saisonnière sur novembre, décembre. Il faut faire la jonction mythologique entre le confinement qu'on a vécu en début d'année et un nouveau confinement à enclencher en fin d'année pour court-circuiter la lutte de classe. Et court-circuiter la lutte de classe, c'est briser les lieux de regroupement, et briser les lieux de regroupement, c'est par le confinement et la distanciation sociale, produire une distanciation sociale du logos ouvrier radical. La distanciation sociale, c'est empêcher que la parole ouvrière s'unifie dans des lieux de production où se produit la critique radicale. Et on a la même chose avec la problématique mythologique de l'antiracisme. L'antiracisme est effectivement une stratégie du capital mondial pour casser la lutte de classe communiste. La lutte de classe communiste, c'est le prolétariat universel qui ne se pose pas la question de savoir si les blancs, bleus, gris, orange, écossais ou de quelque couleur que ce soit, il est le prolétariat universel du rapport social universel de l'exploitation et il se bat du point de vue universel contre le cosmopolitisme de la marchandise mondialiste pour abolir l'État et la marchandise. De la même manière que le confinement vise à empêcher l'unification des luttes prolétariennes, la lutte antiraciste a pour objet d'empêcher une unification du prolétariat universel. On crée des séquences mythologiques de restructuration capitaliste. Un homosexuel se bat pas pour l'abolition du salariat et de l'État. Une féministe ne se bat pas pour l'abolition du salariat et de l'État. Un LGBT ne se bat pas pour l'abolition du salariat et de l'État. Un antiraciste ne se bat pas pour l'abolition du salariat et de l'État. Toute cette faune, tout ce zoo pathologique de la modernité capitaliste se bat pour avoir une place dans la réorganisation du capital. Donc toutes les mythologies du capital, antiraciste, féministe, homosexualiste, capitaliste verte et bobo, sont des agents de transformation, de rénovation et donc de perpétuation du capital. Tous ces gens-là veulent garder le capital, ils veulent le réagencer à travers des mythologies de créances, de pleurniches, de redistribution pour avoir leur part du gâteau capitaliste mondial. Mais ils ne veulent pas abolir le gâteau capitaliste mondial. Ce sont donc des contre-révolutionnaires. Donc on va en reparler plus en détail sur l'affaire Floyd comme sur l'affaire Traoré, mais il faut bien comprendre que la lutte de classe du prolétariat communiste est une lutte pour abolir l'État et pour abolir l'argent, et que toutes les autres luttes financées, subventionnées, éperonnées médiatiquement par toutes les multinationales du capital ont pour objectif d'éterniser le capital. La lutte antiraciste, la lutte féministe, la lutte écolo-bobo, la lutte LGBT, bref, toutes les luttes de réorganisation capitaliste sont des luttes contre-révolutionnaires qui viennent tenter de court-circuiter la lutte du prolétariat révolutionnaire. Il faut dire au prolétariat révolutionnaire, ne te bats pas pour abolir l'État et l'argent, bats-toi pour rénover la merde du capital, pour que les minorités, pour que les discriminations soient abolies. Bref, on réorganise le capital pour l'humaniser, mais on le garde, surtout on le garde. Si on est antiraciste, si on est bobo, si on est LGBT, si on est féministe, d'abord, article 1, on garde le capital.
Et article 2, on le réaménage en fonction de nos clientèles narcissiques, débilisées et serviles. Mais surtout, on ne l'abolit pas. Donc nous, en tant que membres de cette classe qui s'appelle le prolétariat universel et qui nous battons pour contre le salariat, contre l'État et contre la marchandise, nous savons que toutes ces luttes qui ont surgi après le confinement sont des mystifications capitalistes pour casser la lutte de classe. Donc on peut partir sur le carnaval antiraciste comme il s'est formé depuis, depuis 2-3 mois. Alors on a eu l'affaire Floyd, on a eu l'affaire Traoré, on a eu le déboulonnage des statues, c'est-à-dire, mais je pense que le plus important du point de vue de la lutte de classe et du point de vue de l'histoire, c'est le rapport social. On nous parle de l'esclavage, on nous parle du servage, on nous parle de toute une série de choses, du salariat, etc., des discriminations, mais on sort complètement de l'histoire, on sort complètement du rapport social, et on l'a vu, et on voit que... On a un déboulonnage des statues. On est face à des gens qui sont complètement anhistoriques. C'est-à-dire qu'on déboulonne la statue de Colbert au nom comment il s'appelle ça, le code noir, alors que c'est pas Colbert qui a écrit le code noir. On tague des statues de Cervantes en disant que c'est un esclavagiste, alors qu'il a été mis en esclavage pendant la bataille de Lépante. C'est-à-dire, on est complètement sorti de l'histoire. Alors, Francis, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'esclavage est un rapport social ? Pourquoi le racisme, comme l'antiracisme, sont des rapports sociaux et ce ne sont pas des trucs qui flottent dans l'air, dans un éther immatériel ? Alors, effectivement, Lotfi, vous avez raison. L'esclavage n'est pas une domination de couleur. C'est un rapport historique et... pendant des millénaires et des millénaires, l'esclavage est d'abord une affaire de blanc. C'est d'abord une affaire de blanc. Toute l'Antiquité est une affaire de blanc. Mais d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que là, nous parlons avec les membres de Guerre de Classe. À Guerre de Classe, il y a des gens qui viennent d'une provenance noire. Il y a des gens qui viennent d'une provenance blanche. Et on a même... des Maghrébins entre nos amis qui viennent d'Afrique et nos amis qui viennent d'Europe, qui viennent d'une provenance grise. Mais à Guerre de Classe, on ne réfléchit pas à partir d'assignations à résidence pathologique, à partir de tribalismes qui sont éternisés. À Guerre de Classe, on a une position historique de radicalité communiste contre l'État, contre l'argent et contre le salariat. Et le logos de notre pensée, n'est ni gris, ni blanc, ni noir. Il est l'être générique de la Gemeinwesen, de cette communauté universelle qui se pose en intelligence, en désir et en volupté, non pas à partir de nos provenances, mais dans notre destination commune d'émancipation, de jouissance, de conscience et d'humanité. Donc, quels que soient les lieux de notre histoire première, quels que soient les lieux de notre histoire première, nous avons tous possibilité d'accéder à la destination communiste. Bien évidemment, c'est le prolétariat révolutionnaire européen qui a fait surgir dans toute sa plénitude la compréhension théorique et pratique du communisme. Le manifeste communiste, la guerre civile en France, les luttes de classe en France, la critique du programme de Gotha, ça n'a pas été écrit à Dakar, à Osaka, à Tombouctou, à Montréal, ou à Buenos Aires. Ça a été écrit dans cette Europe, France, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, que Marx et Engels appellent ce territoire d'avant-garde du prolétariat mondial. Ça ne pouvait pas surgir et ça ne pouvait pas s'exprimer ailleurs, parce que quand on reprend les origines du christianisme primitif, contre la Torah de servitude, contre la Houma de soumission et contre toutes les pathologies du despotisme oriental, il s'est passé quelque chose de spécifique en Europe et uniquement en Europe, qui dans une grande tradition paysanne communeuse et dans une grande tradition communarde ouvrière a fait surgir une pensée radicale qu'on n'a jamais rencontrée ailleurs, en Amérique, en Afrique, en Orient. Il y a eu des luttes pour réaménager la servitude, pour organiser la politique autrement, pour organiser l'économie autrement, pour régenter l'État autrement. Mais l'abolition de l'État, l'abolition du salariat, comme mouvement réel communiste contre l'État, il n'y a qu'en Europe, dans ce continent d'ouverture critique du logos radical,
que cela pouvait se faire. Et aujourd'hui, à guerre de classe, que l'on vienne d'Afrique noire, d'Afrique maghrébine, que l'on vienne de Belgique, de Suisse, de France ou d'Angleterre, nous sommes non pas les êtres de nos provenances sectorisées et tribalisées, nous sommes les hommes de notre destination communiste, parce que nous savons que le manifeste communiste, s'il a été écrit en Europe, il n'a pas été écrit pour les Européens, il a été écrit pour le prolétariat universel mondial. Et la première internationale s'adresse au prolétariat mondial à venir. Le prolétariat mondial à venir. Et aujourd'hui, nous sommes, et nous y reviendrons, pour des solidarités ouvrières radicales, transnationales. Nous appelons à la fraternité révolutionnaire avec tous nos frères africains. L'Afrique n'est pas destinée à ce que toute sa population soit déportée en Europe pour que les multinationales pillent les matières premières. L'avenir de l'homme africain, c'est comme l'avenir de l'homme européen, c'est le vivre au pays sur des bases radicales, insurrectionnelles, anticapitalistes. L'avenir de l'homme africain, c'est pas de fuir en Europe pour laisser le territoire aux multinationales et pour que les multinationales pillent les ressources. Et le premier ennemi de l'homme africain, c'est l'État africain. Les communistes sont pour la solution à zéro État, à bas le capitalisme, zéro État, à bas l'État français, à bas l'État sénégalais, à bas l'État israélien, à bas l'État palestinien, à bas tous les États. Unité prolétarienne mondiale pour détruire l'argent et le salariat dans une vraie fraternité ouvrière et paysanne internationale. Donc ça, c'est le point de départ. De quel lieu parlons-nous ? Nous parlons de la lutte de classe communiste qui est le seul savoir. Qui est le seul savoir parce qu'elle est le savoir absolu dans la compréhension des présocratiques de Hegel et de Marx. Nous sommes dans cette expression du savoir absolu incendiaire contre tous les mensonges universitaires, contre tous les mensonges médiatiques. Qu'est-ce que l'esclavage ? L'esclavage n'est pas lié à une couleur de peau, et pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années, l'esclavage, c'est Rome, c'est les Gaulois, c'est les Grecs, c'est les Thraces, c'est les Perses, c'est les Parthes. Toute l'économie antique est constituée sur une rente foncière esclavagiste qui va asservir des millions d'hommes qui sont blancs, qui sont des Germains, qui sont des Celtes. Et aujourd'hui, quand je vais à Rome et que je suis dans une tradition historique française, je ne vais pas pleurnicher pour que les Italiens fassent repentance parce qu'ils ont esclavagisé les Gaulois et que Vercingétorix, lors du triomphe de César, couvert de chaînes, a été amené sur le forum avec des centaines de prisonniers gaulois qui ont été exécutés. C'est un rapport social. L'esclavage est un rapport social. Et pendant des millénaires et des millénaires, ce sont des Blancs qui ont asservi des Blancs dans un espace blanc qui s'appelait le Mare Nostrum, l'Empire romain. Mais l'esclavage, il surgit dans un mode de production spécifique qui est la Torah de servitude et la Houma de soumission. La Torah est esclavagiste, le Coran est esclavagiste. Et la grande vague esclavagiste africaine, elle va surgir à partir de la conquête musulmane du 7e siècle. Le concept économique du despotisme oriental asiatique, c'est le travail de la reproduction. Le concept du despotisme oriental arabo-musulman, c'est la razzia. C'est la rapine, c'est le butin. Et on y reviendra tout à l'heure quand on parlera des diverses agressions, en particulier de Bayonne. Il est très rare qu'un chauffeur de bus se fasse lyncher par 4 racailles vietnamiennes. Les 4 racailles de Bayonne, elles n'étaient pas vietnamiennes. Mais comme il n'y a pas de prédestination biologique, nous analyserons le rapport social qui fait que, même si les médias ont mis énormément de temps, alors les médias ne nous donnent jamais... Quand la,
J'allais dire quand la synagogue de Bayonne, c'est pas la synagogue, c'est la mosquée. Mais qu'est-ce qu'une mosquée? C'est une synagogue pour plus de gens, puisque le Coran n'est rien d'autre qu'un judaïsme universalisé. C'était un lapsus révélateur. Mais le soir même de l'attaque de la synagogue-mosquée de Bayonne, on avait le nom du PP, on avait déjà les journalistes qui filmaient la baraque, on avait son nom, son prénom, et on avait son historique. Plusieurs jours après le lynchage d'un prolétaire, le chauffeur de Bayonne, c'est un prolétaire. Et on renvoie au texte de Marx sur le Lumpen. Un prolétaire a été assassiné par quatre racailles Lumpen. C'est le texte de Marx. Et alors les quatre racailles Lumpen, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, on a un mal fou à voir le nom. On a d'ailleurs, c'est des voyageurs. C'est des passagers, c'est des mouettes qui se sont perdues sur les chaises. On ne sait pas ce que c'est. Puis finalement, on apprend progressivement que ce n'est pas Charles, ce n'est pas Lucien, ce n'est pas Bruno, c'est pas Kat Lumpen qui débarque du Cantal ou des Pyrénées-Orientales. C'est Mohamed, c'est Moussa, c'est Céline et c'est un autre Mohamed. Mais les médias ne peuvent pas le dire. Parce qu'on y reviendra tout à l'heure, l'immigration, c'est la clientèle privilégiée du capital. Bon, donc, on reviendra sur tout ça. Mais, donc, le mensonge de l'esclavagisme. Lisez les textes de Marx. Lisez les textes de Braudel. Lisez les textes de Petré Grenouillot. Lisez même les textes de Vidrovitch. Je prends maintenant l'esclavage africain. J'ai trois traites. J'ai la traite occidentale, j'ai la traite orientale et j'ai la traite interne. La traite occidentale, c'est ces populations asservies d'Afrique occidentale qui vont partir vers les Amériques. J'ai la traite orientale, c'est la population africaine asservie qui va partir vers le Soudan, le Yémen, l'Arabie saoudite, etc. Et j'ai la traite interne qui est donc le mode de production de la rente foncière esclavagiste africaine. Parce que ce que nous montre Marx, ce que dit Braudel, ce que dit Petré Grenouillot, ce que dit toute la pensée radicale communiste, c'est que ce n'est pas les cargos occidentaux qui viennent en Afrique occidentale et qui produisent un nouveau mode de production esclavagiste en créant l'esclavage noir. Ils arrivent sur ces côtes parce qu'il y a déjà, avant même qu'ils arrivent, un esclavage noir. Donc, on a aujourd'hui les chiffres, parce qu'on a effectivement des travaux très précis, très pointus, et si on bosse sur ce sujet-là, on sait aujourd'hui que la traite occidentale, c'est à peu près 10 millions de personnes raptées et déportées. Ces 10 millions de personnes raptées et déportées, aujourd'hui, leur descendance représente plus de 70 millions d'Afro-Américains. On sait qu'il y a une traite arabo-musulmane qui, au moment où la traite occidentale a rapté et déporté plus de 10 millions de personnes, on a rapté, elle, plus de 17 millions. La traite arabo-musulmane, à travers les circuits caravaniers, a rapté plus de 17 millions de personnes. Mais alors que j'ai plus de 70 millions d'Afro-Américains, dans les territoires d'Afrique de l'Est et dans les territoires arabes, yéménites, Arabie saoudite, etc., je n'ai qu'un million de descendants. C'est curieux. Je n'ai qu'un million de descendants, alors que de l'autre côté, j'en ai 70 millions. Parce que la traite arabo-musulmane, en plus de la déportation, castre de manière industrielle. Des milliers d'esclaves noirs sont castrés par la traite arabo-musulmane. C'est pour ça que si aujourd'hui, il y a plus de 70 millions de descendants d'esclaves dans les territoires afro-américains, j'ai dans les territoires arabo-musulmans à peine un million de Noirs,
alors qu'il y a eu 17 millions de raptés. Donc il est quand même cocasse, il est quand même cocasse que dans cette revisitation mythologique, j'ai un gigantesque angle mort qui s'appelle la castration et qui s'appelle la descendance. Et dans le même temps où j'ai mes 10 millions de déportés par la traite occidentale et mes 17 millions de déportés par la traite arabo-musulmane, j'ai dans le marché intérieur de la rente esclavagiste foncière des rois africains. 14 millions de traites, 14 millions d'esclaves traités par la traite intérieure. Donc, on voit bien que la traite, pour ce qui concerne l'Afrique, c'est sous des formes totalement nouvelles, le même rapport que l'esclavage sous sa forme antique. C'est pas un problème de peau, c'est pas un problème de racisme. Et d'ailleurs, le mot racisme n'apparaît jamais dans le Capital. Parce que quand je fais une analyse radicale de lutte de classe du rapport de production, je sais que l'asservissement, la mise au travail forcé, le conditionnement esclavagiste est un rapport social de production indépendamment de la couleur. Indépendamment de la couleur. Et j'en viens maintenant à ce gigantesque angle mort dont personne ne parle, c'est l'esclavage des Blancs dans les colonies américaines. Avant d'utiliser par le biais de la traite occidentale les esclaves noirs qu'on achète aux royaumes africains, parce que les cargos européens qui arrivent sur la côte de ce qui deviendra l'AOF, l'Afrique occidentale, ne partent pas à la chasse à l'esclave dans les forêts. On leur a préparé les paquets. C'est comme Amazon. C'est-à-dire que les rois africains ont préparé sur les plages des paquets. T'en veux 10, t'en veux 20, t'en veux 30. Donc, je veux dire, on achète sur les côtes à des royautés africaines, à des potentats africains, la matière noire qu'ils vendent aux commerçants. Donc, s'il y a ça, c'est bien qu'il y ait une traite préalable en interne. Mais bon, on passe au sujet de l'esclavage blanc. Le premier esclavage intensif, industriel, que l'on trouve en Amérique, ce sont des Irlandais. Entre Henri VIII et Cromwell, en passant par Élisabeth, il y a une campagne d'extermination radicale de la population irlandaise par la colonisation capitaliste et pré-capitaliste anglaise. On massacre des centaines de milliers d'Irlandais et on déporte des centaines de milliers d'Irlandais. Et dans les plantations de coton et dans les plantations de tabac, les premiers esclaves sont des Blancs irlandais. Et d'ailleurs, pour aménager la reproduction esclavagiste, on forcera à ce qu'il y ait des copulations industrielles organisées entre des mâles noirs et des femmes irlandaises. Donc, l'idée que l'esclavage est lié à une couleur de peau, c'est une bêtise incroyable, c'est un mensonge absolu, et c'est surtout quelque chose qui a pour objet que l'on ne puisse pas déboucher sur une conscience historique de lutte de classe radicale. L'esclavage n'est pas lié à la couleur, l'esclavage est lié à la rente foncière de l'oppression, il est lié à la rente commerciale de l'oppression, il est lié à la rente industrielle de l'oppression, et il est lié au développement du capital. Et je vous envoie à relire la critique de la société de la distinction. Dans la critique de la société de la distinction, nous reprenions l'ouvrage d'Attali, qui s'appelle « Les Juifs et l'argent ». Et dans l'ouvrage d'Attali, « Les Juifs et l'argent », il nous explique qu'une ville, par exemple, comme Recife, est un énorme comptoir commercial juif. Mais à Recife, la communauté juive, elle ne vend pas des machines à laver, des téléviseurs ou des produits médicaux. Dans cet espace-là, il y a le sucre, la plantation et les esclaves. Donc, Attali dit, bah oui, c'est vrai, les Juifs, et il reprend Marx, les Juifs ont une part très importante dans la commercialisation des esclaves. Donc, quand on vous dit Nantes,
Bordeaux, le paysan du Cantal, il n'a rien à voir avec la traite. Le prolo, il n'a rien à voir avec la traite. Ce sont des comptoirs commerciaux, et Attali nous dit, dans ce surgissement économique, les juifs ne sont pas les seuls, mais les juifs jouent un rôle essentiel. Et j'en arrive au Code noir. Alors, le Code noir, dans son article 1, il dit « les juifs seront chassés du territoire ». Qu'est-ce que les juifs font dans un territoire où il n'y a que des esclaves ? Le Code noir vient légiférer sur un territoire où il n'y a comme économie que l'économie de l'esclavage. Oui, ils font l'économie de l'esclavage. Mais rappelons-nous toujours ce que montre Marx, que si l'esclavage, la colonisation, le despotisme sont universels dans l'histoire du capital, il y a une différenciation radicale entre la dévastation de la rente foncière en pays catholique et la dévastation de la rente foncière en pays judéo-protestant. Et donc, quand la rente foncière des pays judéo-protestants passe à la rente foncière industrielle, elle est mille fois plus dévastatrice dans le cadre du rapport de la dialectique des forces de production que dans les pays catholiques. Si vous allez aujourd'hui au Canada, il y a encore pas mal d'Indiens. Si vous allez au Mexique, il y a encore pas mal d'Indiens. Si vous allez dans ces territoires judéo-protestants de la colonisation anglaise puis de la colonisation américaine, il n'y a plus d'Indiens. Les Sioux, les Cherokees, les Comanches, les Dakotas, tous ces gens-là ont disparu. Parce que il y a un développement historique de la destruction industrielle du territoire qui est accéléré en territoire judéo-protestant de la rente foncière, de la rente commerciale. Et Marx dit d'ailleurs, le protestantisme, le judéo-protestantisme, c'est la religion du capital. Cromwell, les marchands juifs d'Amsterdam, c'est la religion du capital en développement. Et donc, on comprend là le Code noir. On nous fait croire que le Code noir est une légifération d'abomination. Or, le Code noir, en reconnaissant que l'esclave n'est plus une chose, mais un être humain, qu'il peut être baptisé, qu'il peut se marier, et que les phénomènes de répression qui atteignent cette sphère doivent être codifiés et organisés, dans le développement de l'époque, vient marquer que la rente foncière coloniale catholique est beaucoup moins dévastatrice que la rente foncière judéo-protestante. Et un seul exemple, la Guyane et le Suriname. Vous avez en Guyane et dans le Suriname un phénomène particulier qui s'appelle le phénomène des nègres marrons. Qu'est-ce que c'est que les nègres marrons ? Les nègres marrons, ce sont des noirs qui s'échappent et qui repartent dans l'Amazonie pour, après s'être retirés de la zone esclavagiste, pour reconstituer un mode de vie traditionnel émancipé. Il y a un auteur guyanais qui s'appelle Jean Moumoun, qui a travaillé sur les bonis. Qu'est-ce que c'est que les bonis ? Les bonis, ce sont des Noirs qui ont fui le Suriname, judéo-protestants hollandais, pour venir se réfugier en Guyane française. Et je rappelle, pour les clowns médiatiques du gouvernementalisme contemporain, que la Guyane n'est pas une île. Qu'est-ce que nous dit Jean Bonny ? Les nègres marrons qui sont esclavagisés au Suriname, ils partent dans la forêt profonde du Suriname, où ils passent la frontière et ils viennent en Guyane française. Mais les esclaves de Guyane française ne veulent surtout pas aller au Suriname. Et qu'est-ce que nous dit Jean Bonny ? En Guyane française, il y a le code noir. Alors le code noir, c'est comme le code du travail. C'est une codification de l'esclavage, comme le code du travail est une codification de notre servitude salariale. Mais il y a des temporalités différentes dans l'oppression. Et les nègres marrons du Suriname, dans la survie quotidienne, ils savent que le code noir, en Guyane, est moins inhumain que l'oppression non codifiée du judéo-protestantisme hollandais. Donc ça, c'est l'esclavage en général. Mais un peu d'intelligence, un peu de mémoire,
un peu d'histoire, un peu de critique, le capital. Il faut que tous les gens qui nous écoutent et qui jouent du violon sur la bêtise mythologique de l'antiracisme aillent lire le Capital, la 8e section. La 8e section du livre 1, elle concerne quelle réalité historique ? L'accumulation primitive. L'accumulation primitive. Et l'accumulation primitive, il y a un chapitre 28. Ce chapitre 28 s'appelle « La législation sanguinaire ». On n'est pas dans les îles, on n'est pas avec des Noirs, on est en 1530 en Angleterre. Il n'y a que des Blancs. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a le mouvement des enclosures, il y a le travail forcé, il y a la déportation des paysans. Qu'est-ce qu'on fait aux paysans ? On leur met des anneaux de fer autour du cou, on leur met des chaînes aux pieds. Quand ils essayent de s'évader des centres de rétention, on leur coupe les oreilles. On les brûle avec des plaques de métal bouillantes. Je ne suis pas en Martinique, je ne suis pas en Guyane. Je suis en Angleterre en 1530. C'est un rapport mondial, l'aliénation, la dépossession, la meurtrissure. C'est le capital en mouvement. Mais qui nous parle de la déportation des Irlandais ? Qui nous parle de ces gigantesques massacres en Angleterre ? Des milliers et des milliers de dizaines de milliers de paysans marqués au fer rouge, mis dans des centres de rétention. Ah bah, l'éducation nationale du capital, pas connaître. Parce que l'éducation nationale du capital, depuis 30 ans, explique aux Noirs que ce sont des pauvres Noirs qui ont été esclavagisés par des méchants Blancs. Donc, au lieu de faire ce que nous faisons, rapport dialectique d'universalité, Blanc, Noir, Gris, l'oppression mondiale nous opprime depuis des siècles. Il n'y a pas de prime aux gagnants, il n'y a pas de prime aux privilèges. Nous avons tous le privilège d'être esclavagisés. Par l'esclavage, par le salariat, par le servage. L'oppression est universelle. Unité de toutes les luttes de classe, unité des hommes d'Afrique, unité des hommes d'Europe, tous ensemble dans une émergence radicale contre le mensonge. On veut nous dresser les uns contre les autres pour que nous ne nous dressions pas pour nous-mêmes contre le seul ennemi de l'humanité, le capital et l'État. Donc, tout ça est mensonge, mais ça nécessite un véritable travail. Et je termine sur un truc tout simple, un truc tout simple. Alors, on parlera des Traoré plus en détail après. Sénégal, Bénin, Mali, on a commencé à déboulonner Federbe. Federbe a écrit une grammaire des langues locales. Federbe est un conquérant. Mais Federbe libère les esclaves. Il y a plein d'esclaves en Afrique, dans les royautés. Et la colonisation, elle libère les esclaves. Quand la France débarque en 1830, à Alger, ça fait des siècles et des siècles que Tunis, Marrakech, Alger sont des plateformes esclavagistes. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de Blancs raptés sur les côtes de la Méditerranée nordique se sont retrouvés dans des cages à esclaves à Marrakech, à Alger ou à Tunis. L'Algérie ne demande pas repentance. L'Algérie pourrait dire pardon, la Tunisie pourrait dire pardon, le Maroc pourrait dire pardon. Toutes ces femmes, tous ces enfants, au 15e, au 16e, au 17e, au 18e, raptés, qu'on met dans des cages à esclaves au Maghreb. Pas connaître. Nous, pas connaître. Éducation nationale du capital, pas connaître. Et donc, vous avez dans cette lutte de Federbe, qui est une lutte coloniale, c'est une lutte coloniale, mais on est passé à un degré supérieur du développement de la marchandise. L'esclavage n'a pas été aboli parce que les esclaves ont aboli l'esclavage dans une lutte. Ce n'est pas les esclaves qui ont aboli l'esclavage, ce sont les commerçants et les industriels capitalistes qui, à un moment donné, se sont rendus compte que grâce au salariat, il y avait matière à produire davantage de plus-value, davantage de sur-valeur. C'est d'ailleurs la plus grande puissance coloniale, l'Angleterre, qui avait été la plus grande esclavagiste, qui, la première, a mis en marche l'abolition de l'esclavage parce que ça n'était plus rentable
et que le salariat était plus rentable. Et la guerre de sécession qui libère les Noirs des champs de coton, c'est pour les mettre dans des usines où ils vont être opprimés d'une manière encore plus terrible. Et alors là, puisqu'on parle des usines, qui vous parle des enfants anglais et des femmes anglaises des manufactures de 1830 ou de 1840? Des enfants de 8 ans qui bossent 16 heures par jour et qui meurent de faim dans des conduits de chambres à charbon. Des millions de prolétaires en Angleterre, en Belgique, en Europe du Nord sont morts non pas dans des champs de coton, mais dans des champs de charbon. Cette oppression-là, elle est où cette oppression-là? Elle n'intéresse personne. C'est l'accumulation primitive du capital. Donc là encore, schizoïdie, fétichisme, cristallisation, occultation, tout est faux. Alors je termine sur le général Dodds. Le général Dodds est un général de l'armée française qui est noir. Il est beaucoup plus noir qu'Obama, parce que Obama était noir mais très blanchâtre. Le général Dodds, il est comme Alexandre Dumas. Il est comme Pouchkine. Le continent européen était tellement raciste qu'il y a Alexandre Dumas et Pouchkine. Les gens ne savent pas que Pouchkine a une ascendance. Pouchkine est un homme noir, esclavagisé par les musulmans, libéré par les Russes, dans son ancestralité familiale. Donc le général Dodds, c'est le seul, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'est le seul général français métis. Il participe à l'attaque du Sénégal, du Dahomey et du Bénin, mais il libère tous les esclaves et il abolit les rituels de sacrifice humain. Le Mali, les Soninké esclavagistes, les Yoruba esclavagisés, le général Dodds libère la population Yoruba qui pratiquait les sacrifices humains. Alors, il le fait dans un acte de colonisation, puisque la France colonise, mais ce sont les puissances occidentales qui ont arrêté la traite et le trafic d'esclaves en Afrique. Alors, ils ne l'ont pas fait pour des raisons humanitaires, ils l'ont fait pour des raisons capitalistes. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir justement cette chronologie. Donc, qui en France parle du général Dodds? Alors après, autour du général Dodds, dans ces grandes commémorations idéologiques, on a vu l'ancien Premier ministre, avant de partir dans sa bonne ville du Havre, dire « nous allons rendre au Sénégal, dans nos religions de repentance, le sabre d'Oumartal ». Oumartal, c'est un djihadiste qui mettait en esclavage les Bambara. Donc la France a cassé un commerce esclavagiste qui esclavagisait les Bambara. Et le gouvernement d'Édouard Philippe nous dit ben, « nous allons rendre au Bénin des objets de l'époque ». Alors, les objets de l'époque, ce sont des objets qui étaient regroupés à la cour de Béhanzin. Alors aujourd'hui, vous avez des groupes qui se réclament de Béhanzin. Béhanzin est le plus grand esclavagiste de l'Afrique de l'Ouest. Il s'est opposé à la colonisation française, mais c'est un esclavagiste. Il avait mis en esclavage toute la région. Et donc, c'est le général Dodds qui a écrasé les armées de Béhanzin. Et Béhanzin, pratiquant la terre brûlée, a fait brûler toutes ses demeures royales. Le général Dodds a réussi à récupérer un certain nombre d'objets que l'on retrouvait au musée du Quai Branly. Et parmi ces objets que l'on retrouvait au musée du Quai Branly, il y avait un sabre d'infanterie modèle 1821 de l'armée française. Et on le restitue au Bénin. On restitue au Bénin un sabre d'infanterie modèle 1821 de l'armée française. Vous voyez le délire? Il n'y a plus d'histoire. Quand Debord et Marx disent que le capital en domination réelle, c'est l'abolition de l'histoire, il n'y a plus d'histoire.
tout délire, tout est fétiche. Les esclaves blancs n'ont pas existé. Les rois noirs trafiquants n'ont pas existé. La traite arabo-musulmane n'a pas existé. La castration n'a pas existé. Et je termine sur deux trucs. L'arme d'élite du sultan turc, les janissaires, ce sont des esclaves européens raptés dans toute l'Europe balkanique à l'âge de 5 ou 10 ans, qui sont formés dans des camps de concentration militaire, qui sont convertis de force et qui deviennent l'arme d'élite de l'infanterie turque. Les janissaires. Donc l'arme d'élite du sultan, c'est le rapt d'enfants chrétiens convertis à l'islam et formés en éducation militaire intensive. Et donc, on a en Égypte avec les Mamelouks, sauf que les Mamelouks sont un corps de cavalerie, la même chose qu'avec les janissaires en Turquie, qui sont un corps d'infanterie. Mais donc, le lieu central de l'esclavage mondial, c'est à l'Est. La structure despotique orientale arabo-musulmane du butin, de la rapine et de la razzia coranique, et à l'Ouest, ce sont les centres de la colonisation commerciale judéo-protestante dans leur formalisation la plus aboutie. Qu'est-ce que le prolo français ouvrier ou paysan a à voir là-dedans ? Puisque lui-même, dans toute son ancestralité, la 8e section, les enfants dans les usines, les femmes assassinées dans les mines, a vécu le plus grand camp de concentration de l'histoire humaine. Donc on voit bien que rien ne tient debout et que tout cela ne tient debout, alors que ça ne tient pas debout historiquement, parce que ça tient debout mythologiquement, dans un dressage social, dans une imposture et dans cette fameuse section 1 du fétichisme de la marchandise, où l'indistinction, le renversement, c'est la dictature du hiéroglyphe du retournement. Tout est faux. La Seconde Guerre mondiale, c'est faux. La guerre du Golfe, c'est faux. La Première Guerre mondiale, c'est faux. L'histoire de l'esclavage, c'est faux. L'histoire des guerres de religion, c'est faux. L'histoire de l'Inquisition, c'est faux. Tout est faux. Tout est faux. Et on le verra dans notre émission sur la guerre. L'idée qu'il y a toujours eu la guerre, c'est encore faux. Donc, grâce à Marx, grâce à la compréhension radicale du fétichisme de la marchandise, je sais que tout est faux. Tout est faux dans la recension mythologique du capital et que le vrai, du point de vue de la lutte de classe radicale contre l'État, contre l'argent, c'est le renversement du renversement. Là, il faudrait faire un lien donc, entre le coronavirus et les mystifications antiracistes dont vous venez de parler. C'est-à-dire que la problématique de la mondialisation du capital, c'est qu'en même temps que le capital détruit les distances qui peuvent exister entre les marchandises, entre les hommes, et qu'il universalise le prolétariat, il universalise aussi la conscience de classe de ce même prolétariat. Ce qui fait que le prolétariat se mondialise, le marché se mondialise, mais la conscience de classe aussi est en danger pour le capital de se mondialiser. Ce qui fait que cette destruction nécessaire des distances entre les hommes et entre les marchandises doivent pour le capital être compensée par une création artificielle d'une nouvelle distance entre le prolétariat et lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les masques qui redeviennent obligatoires, on a les distanciations sociales, mais cette distanciation sociale, c'est une distanciation de classe qui vient marquer le fait que le capital est en danger de mort, puisque le prolétariat est trop en proximité avec lui-même. Et il faudrait peut-être poser cette problématique de la distance, et ensuite aller sur le fait que aux États-Unis et en France, on a toute une mystification antiraciste qui vient elle aussi poser une distance, comme vous venez de l'expliquer, entre le prolétariat et sa propre histoire, mais surtout entre le prolétariat et le lumpen prolétariat, qui est un ennemi de classe absolue pour la révolution. Et donc aux États-Unis, on a eu l'affaire Floyd, et en France, on a eu l'affaire Traoré. Alors, aux États-Unis, il faudrait faire le lien aussi, je pense, avec la réélection de Trump qui arrive et comment cette affaire Floyd a rebondi en France avec l'affaire Traoré. Alors, si vous voulez, le mot que vous venez d'employer est très important. Il est d'ailleurs employé et par Debord et par Marx. Distance, éloignement, déperdition, égarement. Quand après 68, la lutte de classe qui avait fait tellement peur
à la classe capitaliste, a rendu nécessaire l'immigration de masse pour empêcher la réitération d'événements radicaux. Il s'agissait bien évidemment d'aller chercher des gens qui venaient d'un continent qui ignorait la lutte de classe radicale contre l'État et contre l'argent. Comme le dit très bien Engels dans Les origines du christianisme primitif, entre les premières luttes de classe paysannes du XIIIe siècle et la Commune de Paris, il se crée une spécificité dynamique du temps historique européen, et Engels dit « ça bouge ». Il y a un logos radical qui permet d'arriver à cette compréhension « abolition de l'État », abolition de l'argent. Engels prend l'exemple des Almohades et des Almoravides au Maroc en disant en Orient, alors en Orient asiatique comme en Orient arabo-musulman, ça bouge pas. C'est la mécanique des chaises musicales. Un pouvoir chasse un pouvoir, une oppression chasse une oppression. Mais il y a une impossibilité radicale à penser la fin de l'oppression. C'est-à-dire qu'on est dans des temporalités qui changent l'État, qui change l'argent, qui change les possesseurs, qui change l'organisation de la domestication. Mais on n'a jamais vu en Orient asiatique ou en Orient arabo-musulman une radicalité dire « ah bah l'État, ah bah l'argent ». C'est impossible, parce qu'on est dans une reproduction statique d'un temps servile. Et en 68, on a vu apparaître d'une manière explicite tout ce que Marx avait positionné avec Engels dans la Première Internationale, dans la grève sauvage contre la gauche du capital et contre le gauchisme du capital, a dit « prenons nos affaires en main, non pas pour gérer le capital, mais pour l'abolir ». Et c'est ça que nous devons dire à nos amis d'Afrique. Il n'y a pas que les gens qui sont floydisés par la bêtise du capital. Il y a énormément de gens en Afrique ou au Maghreb qui se posent des questions et qui comprennent bien que continuer l'économie, continuer la politique en changeant les dirigeants, ça ne change rien. Il y a une jeunesse africaine ou maghrébine qui tend à pouvoir sortir de cette gangrène capitaliste de la reproduction infinie. Et donc, le fétichisme de la marchandise doit empêcher la jonction. Il doit conserver ce que vous avez appelé la distance. Et donc, l'immigration, ce n'est pas simplement faire migrer des gens d'un continent qui ignore la lutte radicale contre l'État et le salariat vers un continent qui l'a connu. C'est en même temps faire migrer la conscience de ceux qui l'ont connu pour qu'ils ne la connaissent plus. L'immigration, ce n'est pas simplement faire venir des gens du Sud, c'est faire sortir de l'esprit communard du prolétaire européen la conscience communarde. Il s'agit de créer un melting pot grisâtre dans l'idolâtrie de la marchandise. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis 30 ans, on ment aux jeunes Africains et on ment aux jeunes Maghrébins. Par exemple, alors l'Algérie, on fait croire que la guerre d'Algérie a été gagnée par le FLN. Il y a une victoire vietnamienne en 54, c'est Dien Bien Phu. Le Viet Cong a écrasé l'armée française dans la cuvette de Dien Bien Phu. Alors certes, il l'a écrasé parce qu'elle n'y avait pas mis tous les moyens, mais il y a une victoire majeure. Si vous demandez à l'historiographie algérienne de vous citer le nom d'une bataille majeure où le FLN algérien aurait battu l'armée française, il n'y en a pas. Donc à partir de là, il y a tout un refoulé. Il y a toute une névrose, il y a toute une brisure, il y a toute une cassure. Quand en Algérie, en 62, De Gaulle décide, parce qu'il veut créer un mouvement des non-alignés avec Nasser, avec Castro, pour trouver une troisième voie, il veut larguer le fardeau algérien qui coûte trop cher. Il y a eu le plan de Constantine qui a coûté des milliards. Aujourd'hui, en Algérie, s'il y a des ports, s'il y a des voies de chemin de fer, s'il y a des hôpitaux, s'il y a une infrastructure, c'est parce qu'il y a eu le plan de Constantine après des années de colonisation. La France, quand elle arrive en 1830, et c'est ce que dit Marx. Marx et Engels disent, bon, Bugeaud, c'est terrible, mais grâce à Bugeaud, l'Algérie rentre dans l'histoire. Donc, en 61, l'armée française a tellement écrasé le FLN que la Vilayakhate
à travers ses représentants Sisala et d'autres généraux, enfin d'autres colonels de l'armée de l'intérieur, se rend à l'Élysée en proposant à De Gaulle, selon le message que lui-même avait positionné, la paix des braves. Le FLN combattant de l'intérieur, qui est exsangue, il n'y a plus de Katiba en état de se battre, il propose la paix à De Gaulle. Mais De Gaulle ne la veut pas. Il veut signer avec le GPRA, c'est-à-dire Ben Bella et tous les autres qui sont derrière, parce que dans cette recomposition géopolitique mondiale, il ne veut pas se mettre à dos Nasser. Donc, il va éconduire les délégués de l'intérieur qui veulent la paix pour privilégier les planqués de l'extérieur. C'est-à-dire que y a une armée de l'extérieur au Maroc, il y a une armée de l'extérieur en Tunisie, c'est-à-dire des combattants de l'ALN, armée de libération nationale, qui ne se sont jamais battus. Ce sont des planqués. C'est ça l'armée algérienne. Les combattants de l'intérieur sont morts. Et quand on va ouvrir la ligne Maurice et les barbelés qui relient l'Algérie à la Tunisie et au Maroc, on fait rentrer des katibas de l'armée de l'extérieur qui ne se sont jamais battus, qui vont d'ailleurs exterminer les anciens du FLN qui, eux, se sont battus. Parce qu'il va y avoir une guerre entre Boumédienne, l'armée de l'extérieur, les derniers résistants de l'intérieur. On va massacrer plusieurs centaines de milliers d'Algériens sous prétexte qu'ils sont harkis simplement parce qu'ils ne veulent pas le FLN. En juillet 62, on va massacrer la population européenne d'Oran. Donc, tout ça se fait, mais tout ça se fait dans un rituel allégorique et symbolique qui, pour reprendre l'expression du fétichisme de la marchandise, reproduit dans des formes mythologiques le butin, la razzia, la rapine. Au Vietnam, il y a eu Dien Bien Phu. Il n'y a aucune haine de la population vietnamienne en France ou au Vietnam pour la France. La page a été tournée. La page ne peut pas être tournée avec le FLN et l'Algérie, puisqu'on leur fait croire qu'ils ont gagné la guerre et ils l'ont perdue. Et depuis 1962, la seule chose qu'ils aient pu faire de ce pays, c'est une poubelle. C'est-à-dire qu'en Algérie aujourd'hui, la semoule, on l'importe. Les tomates, on les importe, les courgettes, on les importe. Depuis 1962, la population algérienne est l'otage d'une classe capitaliste mafieuse qui s'appelle le FLN et qui vit de la rente foncière pétrolière confisquée. Le réseau hospitalier en Algérie, en 1962, était meilleur que le réseau hospitalier coréen. Aujourd'hui, n'importe quel membre de la nomenclature algérienne, dès qu'il a un pet de travers, il part en Suisse ou en France, il ne veut surtout pas aller dans un hôpital algérien. Donc, on ne peut pas organiser une haine anti-française à partir des Vietnamiens. Les Vietnamiens, ils ont gagné leur guerre, ils ont construit autre chose, ils sont dans l'aliénation, mais il n'y a pas cette razzia mythologique du butin et de la pleurnicherie. Depuis 1962, le gouvernement algérien pleurniche. Chaque fois qu'il y a un climat social qui se décompose, chaque fois que ça ne va pas, c'est de la faute à la France. Et on peut supposer un roman d'extrapolation futuriste. En 3660, à supposer qu'il n'y ait pas eu la révolution communiste et qu'il y ait toujours un FLN, le FLN pleurnichera en disant « Vous voyez, vous vivez dans un taudis, mais c'est de la faute aux Français ». Donc, si vous voulez, il faut comprendre les articulations qui font qu'on fait tout pour empêcher la jonction entre les jeunes Africains, les jeunes Maghrébins et les jeunes prolétaires européens. Il faut absolument séquencer, distancier, rendre impossible l'unité. C'est-à-dire que quel est l'avenir d'un jeune Maghrébin ? Quel est l'avenir d'un jeune Africain ? Quel est l'avenir d'un jeune Européen dans une vision d'amour, de radicalité, de conscience ? C'est la solidarité internationale ouvrière et paysanne sur le territoire du front de classe anticapitaliste pour détruire l'argent, pour détruire le salariat. Ça nécessite de sortir des mythologies mémorielles, des mensonges historiques et de se retrouver sur le terrain de la vraie conscience et de la lutte de classe. Et notre devoir en tant qu'héritier du patrimoine communiste, de la Première Internationale, de Marx, de Rosa Luxembourg, de toutes les révolutions par lesquelles le prolétariat a voulu s'émanciper, c'est de travailler dans les mois et les années qui viennent à une véritable solidarité entre
les hommes d'Afrique, les hommes du Maghreb, les hommes d'Europe, les hommes d'Amérique, la solidarité internationale du prolétariat contre tous les mensonges capitalistes qui veulent nous diviser. Le mensonge Floyd, le mensonge Traoré, on va y revenir, c'est le mensonge obligatoire du capital. Alors, il y a des gens qui pointent Bill Gates, Soros, mais ça, c'est l'épiphénomène. C'est la crise du capital, c'est l'ingénierie sociale de la marchandise qui, dans sa spontanéité immanentiste, veut briser les rencontres. Il faut parquer les Noirs dans un zoo, il faut parquer les Blancs dans un zoo, il faut parquer les Maghrébins dans un zoo. Le capital veut nous parquer dans des zoos anthropologiques, résiduels, aliénatoires, pour empêcher la grande fraternité universelle. Il faut produire la grande fraternité universelle de classe pour détruire le gouvernement du spectacle mondial, pour détruire tous les États, pour détruire le capital et pour créer la commune universelle. D'ailleurs, vous l'avez dit, c'est la frontière de classe qui détermine tout. On n'accuserait pas Marx de racisme quand il milite pour justement l'abolition de l'immigration entre la Belgique et l'Irlande, pour dire qu'il faut sauver la lutte de classe parce qu'il y a des grèves radicales là-bas. On ne va pas lui dire, bon, il est raciste des Belges. C'est le fond, parce qu'il y a un mensonge, il y a une mystification énorme. S'il n'y a pas de mensonge gratuit, c'est comme il n'y a pas de violence gratuite. S'il y a un mensonge énorme à l'échelle mondiale, c'est parce qu'il doit maquiller l'énormité qui est le front de classe qui est derrière. Et alors, on parlait justement de Traoré et de. Alors, on n'a pas commencé à rentrer dans le détail, mais c'est marrant parce que il y a une ironie dans l'histoire. Elle avait déclaré, je crois que c'était à Paris, qu'on ne devait pas laisser l'opportunité aux Gilets jaunes, qu'elle traitait de fachos de Gilets jaunes. Et on a le lien historique qui se fait tout seul. Vous parliez tout à l'heure de jonction mythologique. Ben là, on en a une énorme. La mystification antiraciste qui rejoint la mystification antifasciste. C'est-à-dire que l'antifascisme, c'est la religion du XXe siècle. Et on parlait de la distanciation par rapport au coronavirus et par rapport au mythe antiraciste. Il y a une distanciation énorme lors de la guerre civile espagnole, qui justement, sur le front aragonais, a engendré une dynamique de communisation, d'abolition de l'argent. On a encaserné les gens dans l'antifascisme. Il fallait créer une distanciation, il fallait que le prolétariat ne se reconnaisse plus en tant que classe sur le front de l'exploitation, parce que c'est ça le danger. C'est pour ça que pourquoi on a l'antiracisme, pourquoi on a l'antifascisme, c'est parce qu'il ne faut surtout pas que le prolétariat se reconnaisse en tant que classe unitaire. Il faut inventer des nouvelles divisions, pour surtout parce que c'est la seule ligne qui est dangereuse. Et donc on a grand remplacé la ligne du prolétariat contre l'argent, contre le salariat, par une ligne antifasciste. C'est-à-dire, on a mobilisé les prolétaires de l'Aragon, enfin des provinces dans la colonisation, contre Franco, au nom du Front populaire. Ça, c'était juillet 36. Et dans les journées de mai 37, les anciens alliés des prolétaires insurgés se font assassiner, enfin, assassinent le prolétariat lui-même. C'est-à-dire que ceux qui se sont qu'ont vendu le front antifasciste ont assassiné le prolétariat 6 mois après. Donc le fait de se battre contre les mensonges, et on en revient au texte de Marx sur la censure, c'est pas juste parce qu'on aimerait bien démystifier. C'est-à-dire qu'on est vraiment, la barricade, elle se joue dès aujourd'hui. C'est-à-dire que le combat de classe, qui est un combat de vérité, parce que la révolution, c'est toujours la vérité, c'est la vérité de l'histoire, elle se fait dès aujourd'hui dans le fait de distinguer le front de classe qui essaie d'être occulté. Donc coronavirus, antifascisme, antiracisme, c'est des munitions. On est déjà on en reparlera dans l'émission de la semaine prochaine sur la guerre, mais on est déjà sur le champ de bataille. Et quand on dit front de classe international de coopération pour tous les prolétaires, que ce soit de France ou d'Afrique, on ne fait pas, et Marx et Engels l'avaient bien rappelé avec la critique du programme de Gotha, on ne fait pas un appel à une collaboration internationale qui n'aurait pas de fond. Parce que surtout, on n'est pas là pour dire union indistincte dans l'indistinction mondialiste. On dit Union internationale sur le front de la guerre de classe. Et c'est ça qui est dangereux, c'est la seule chose qui est dangereuse. Et c'est pour ça aussi que c'est aussi subversif, et que c'est aussi interdit, et que c'est aussi censuré. C'est parce que c'est la seule chose qui est dangereuse, et c'est la seule chose qu'il s'agit de dire si on veut dire quelque chose de révolutionnaire. Mais ceci dit, moi je suis contacté par pas mal de correspondants d'origine africaine qui ne marchent pas du tout dans cet enrégimentement capitaliste. Ils comprennent. Vous avez l'interpellation de Cédric Chouviat, qui n'est pas délinquant, qui n'est pas noir, et qui, soumis à la brutalité policière, décède.
Il y a des protestations, mais il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas de comité et il n'y a pas d'incendie médiatique. Le garçon Traoré, qui ne distribuait pas des tracts pour l'abolition du salariat, mais qui est dans le commerce de produits hallucinogènes et dans la fusion de la thune, il n'a pas été arrêté et plaqué au sol parce qu'il était noir. Il a été plaqué au sol parce qu'il était recherché et il s'avère qu'il est noir. Parce qu'on y reviendra tout à l'heure par rapport à ce qu'on a posé, c'est quoi le lumpen des quartiers? C'est quoi le lumpen des quartiers? Mais en plus, alors ça ne fuite pas, et c'est très curieux, il a été interpellé par 4 policiers et il semblerait que parmi les 4 policiers, il y ait 2 Martiniquais. Floyd, c'est la même chose que Tony Tampa 4 ans avant. Tony Tampa est drogué, mais il n'est pas multirécidiviste et il n'est pas noir. Donc il n'y a pas d'émeute. Tony Tampa, on retrouve, j'ai un correspondant, j'y suis pas allé, qui me dit qu'apparemment sur Internet, on retrouve son interpellation. Tony Tampa, qui est donc un blanc, qui a consommé les mêmes produits hallucinogènes que Floyd, se fait interpeller et il meurt exactement dans les mêmes conditions. Sauf qu'il n'est pas multirécidiviste et il n'est pas noir. Et Floyd est interpellé par 2 policiers blancs, un policier noir et un policier asiatique. Et le policier noir qui le maintient au sol, qui s'appelle, je ne sais plus, Derek Chauvin, je crois, nous est présenté comme suprématiste blanc, alors qu'il est marié avec une femme asiatique. Donc tout est montage. Et on le sait, tout est montage. La mort de Bérégovoy, c'est un montage. Le cramage de Notre-Dame de Paris, c'est un montage. On va attendre un peu que les purulences du spectacle du Capital se mettent en mouvement et on verra que pour Nantes, il y a des choses très très bizarres. C'est la même chose, on attend toujours la conclusion de l'enquête judiciaire sur les boîtes aux lettres de la mairie du 13e où il y avait le portrait de Simone Veil qui a été tagué. Les caméras qui sont là n'ont toujours pas été analysées. On ne sait toujours pas qui a tagué les boîtes aux lettres. Le cimetière de Carpentras, la mort de Robert Boulin. Le système monte, la fiole de Colin Powell. La fiole de Colin Powell, c'est la même chose que l'affaire Floyd. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la fiole de Colin Powell, est métisse, mais beaucoup moins métisse que le général Dodds. Le général Dodds était beaucoup plus noir que Colin Powell. Et le général Dodds, dans l'armée française, dans le cadre d'une histoire de la rente agricole catholique, a des responsabilités qui sont réelles. C'est pas simplement une marionnette spectaculaire. Quelque part, si on a fait porter à Colin Powell la fiole, ça montre à quel point l'état-major américain considérait l'importance de ce type-là. C'est-à-dire que c'est un général qui s'est jamais battu, c'est un général qui était dans des positions médiatiques et spectaculaires. Le général Dodds, c'était un vrai général. Le général Colin Powell, c'est un général télévision. Donc, il faut repositionner tout ça. Mais donc, Adrien a posé le problème de la réélection de Trump. Il y a, dans la fusée globale du mensonge capitaliste, tel que s'organise le fétichisme de la marchandise, il y a toujours plusieurs étages. Il y a l'étage américain et il y a l'étage mondial. L'étage mondial, c'est que le capital a peur, parce qu'il ne sait pas sous quelle forme les gilets jaunes vont revenir, il ne sait pas sous quelle forme l'effondrement économique va avoir lieu, mais il sait que les temps qui viennent seront nécessairement et objectivement, compte tenu de la baisse du taux de profit et compte tenu de l'effondrement industriel et financier, un temps de lutte de classe intensive. Donc la carte radicale, c'est la diversion.
comité pour Adama, comité pour le climat, comité LGBT, comité homosexualiste, les trois religions du capital en recomposition contemporaine vont être mis à fond les caisses. On va avoir l'homosexualité, on va avoir l'immigration, l'antiracisme, et on va avoir le capitalisme vert. Il faut absolument nous mettre dans ces cul-de-sac pour que la lutte de classe radicale contre l'État et l'argent n'ait pas lieu. Donc ça, c'est la dimension mondiale. Mais on a aussi dans cette dimension mondiale l'étage américain de la fusée de la dimension mondiale. Et on a les élections américaines nationales en novembre. C'est-à-dire que la lutte de classe, c'est bien évidemment la lutte du prolétariat contre le capital, mais c'est aussi la lutte interne au capital entre ces différentes fractions. Et aux États-Unis, la lutte de classe entre la classe capitaliste industrielle et la classe capitaliste financière a pris des proportions gigantesques avec toutes les médiations de l'État profond et de l'État invisible. Et aujourd'hui, il y a une guerre à mort entre les services, les démocrates et Trump pour empêcher absolument que Trump, qui représente le capitalisme industriel de rénovation américaine, sorti du chaos clintonien de toutes les guerres du Moyen-Orient, puisse gagner. Et il y a dans la fétichisation aliénatoire, le vote noir est décisif. Et la grande magouille des réseaux antiracistes américains, c'est « t'es noir, tu votes démocrate ». Passeport obligatoire, « t'es noir, tu votes démocrate ». Donc, il s'agit de mettre dans des wagons électoraux tous les noirs américains et de les amener progressivement à la gare de triage où il y aura le vote, peut-être Biden, peut-être Obama, on ne sait pas. Ils vont peut-être nous sortir Obama au dernier moment, parce que justement, Obama, monsieur, n'était pas vraiment noir. Obama, madame, est plus noir. Donc, dans la gesticulation spectaculaire du Black is Beautiful, Michelle Obama, ça peut être un plus pour la restructuration du camp démocrate, parce que c'est vrai que la mère Clinton, bon, elle fait un peu épouvantail. Mais donc, faut bien comprendre qu'il y a ça aux États-Unis, une gigantesque manipulation de l'État profond pour empêcher la réélection de Trump, parce qu'il y a une lutte à mort au sein de la classe capitaliste entre la sphère financière mondialiste et la sphère industrielle de réorganisation nationale. C'est ce que Marx montre à chaque fois dans toute l'évolution de la politique anglaise. Il y a toujours un combat entre la sphère financière et la sphère industrielle. Et au niveau mondial, il faut effectivement nous court-circuiter les neurones pour qu'aucune radicalité contre l'État et contre l'argent n'intervienne. Il faut absolument nous enfermer dans des luttes de recomposition du capital. Mais le capital, quelque part, il fait fort. Parce que alors, l'icône Floyd, c'est un multi-récidiviste drogué, et Traoré, c'est pareil. Mais ça, on gomme. C'est-à-dire que Marx le montre très bien sur le hiéroglyphe et la fétichisation. Il y a la mise en relief, il y a la réécriture et il y a l'occultation. Philippe, le prolétaire lynché par les racailles à Bayonne, on occulte les noms. Traoré et Floyd, on occulte le fait qu'il y a des flics de la diversité qui participent à l'interpellation. Et on occulte le fait que Floyd, alors, acteur porno multirécidiviste, la famille Traoré polygame, que font les réseaux féministes ? La famille Traoré polygame, enfin, que font SOS Féminisme ? Donc, si vous voulez, tout est bancal, parce que le fétichisme de la marchandise, dans sa crise ultime, il se décompose complètement. C'est comme, je regardais, on m'a envoyé, je ne sais pas comment ça s'appelle, un replay sur les viols de Cologne qui avaient eu lieu avec les réfugiés il y a 2 ans. Et je crois que ça a lieu sur la 5. Et alors, on voit les mecs qui se parlent entre eux et qui disent, bah oui, on ne peut vraiment pas dire que les réfugiés violent les femmes, ce n'est pas possible. Et donc, on voit des nanas qui sont alors, des nanas bobos avec le beau costume féministe. Si un skin avait violé une nana à Hambourg
On aurait le nom du skin, sa famille, ce qu'il lit, etc. Et là, c'est, il faut pas le dire, faut pas le dire, faut pas le dire. C'est-à-dire que finalement, tout est fonction de la reproduction sociale du capital dans sa mythologie. Le lynchage de Bayonne, l'affaire Traoré, l'affaire Floyd, c'est pareil pour la gendarmette. Hein. La gendarmette, c'est une femme. Le mec lui fonce dessus, il lui brise les jambes. Il y a un site, de gendarmes non officiels qui a fini par nous dire bah, le mec qui a foncé sur Mélanie, c'est Yacine, un drogué. Mais on ne le dit pas dans les médias. Par contre, le pépé de Bayonne qui avait tiré deux balles de 22 longs rifs sur la mosquée-synagogue, lui, le soir même, on avait le nom, le prénom, l'historique, la famille. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre qu'il y a un conditionnement. Il faut que le prolétariat soit dissous. Il ne faut pas qu'il y ait de conscience prolétaire. Il faut qu'on nous enferme dans des eaux. Toi, tu es blanc, toi, tu es marocain, toi, tu es noir. Et le prolétariat, où il est? Ah ben, il n'y a plus de prolétariat. Le prolétariat n'existe plus. Il faut faire disparaître le prolétariat de la scène historique. Pourquoi? Parce que si le prolétariat ne disparaît pas de la scène historique, ce qui va se passer dans les mois qui viennent, c'est la guerre de classe radicale contre l'État et contre l'argent. Et le capital, les racailles du haut, est en complicité totale avec les racailles du bas. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un type qui se répand sur Internet et qui nous explique que notre nouveau ministre de la Justice est un consommateur actif de produits hallucinogènes. Alors, je ne sais pas si notre nouveau ministre de la Justice va poursuivre pour fausse information, diffamation et tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le garde des Sceaux du capital, dans sa gigantesque sauterie universelle aliénatoire, déteste les gilets jaunes. On a des émissions où Dupond-Moretti, au moment des gilets jaunes, pique une colère en disant « Mais quand est-ce que ça va s'arrêter ?» La haine de classe, le gilet jaune, c'est insupportable. Par contre, il aime beaucoup Traoré, il aimait beaucoup Cahuzac. Ah, il n'aurait jamais défendu Forisson, parce que ça, c'est tabou. Mais par contre, Cahuzac et puis le maire de Levallois-Perret, c'est bien. Donc, on voit bien, la lutte de classe, elle apparaît là même où elle prétend la faire disparaître. C'est-à-dire que dans les lieux où la lutte de classe est cachée, dissimulée, transfigurée, elle revient. On la voit bien, cette solidarité entre le pouvoir d'en haut et les racailles d'en bas. Les racailles d'en bas, c'est une externalisation de la police. Les racailles, c'est la police du trafic. Les mecs qui sont en bas dans les quartiers, dans les cités, parce que maintenant c'est la métaphore, on dit les cités, on dit les quartiers, mais ils font la police des halls pour régenter et pour faire circuler le flux de la CAM. C'est une police. Donc, le vrai slogan radical, c'est pas « tout le monde déteste la police », c'est « tout le monde doit détester toutes les polices de la racaille du haut et du bas, tout le monde déteste la marchandise, vive la lutte de classe révolutionnaire !» Là, on parlait de l'occultation sur le fait qu'on ne voit plus la frontière de classe par cette violence-là, qui est un mensonge prémédité. Mais même la violence en elle-même, c'est toujours le capital. C'est-à-dire qu'on avait eu en Angleterre, notamment, des cercles entiers d'organisations de viols, parce que c'était impossible à dénoncer, puisque c'était des cercles pakistanais qui organisaient mais vraiment quelque chose d'hyper sombre, hyper violent, et vraiment quelque chose d'insupportable, quoi. Et là, on retrouve un peu cette même violence thanatique, profondément sadique, sur le prolétaire, le chauffeur de bus de Bayonne. Au-delà même de l'importance qu'ont ces populations-là du point de vue de l'exploitation et d'un point de vue de classe dans la reconduction du salariat, même la violence qui est imposée dans cet acte-là, c'est le capital. C'est pas possible, ce genre de lynchage public, à n'importe quelle époque. Il ressemble au rapport social dominant. Et le rapport social dominant aujourd'hui, c'est le capital. Si on va plus loin et qu'on regarde justement au cœur de la radicalité par rapport à la Commune de Paris. La Commune de Paris, bon, c'est des blancs, c'est pas le lynchage raciste. Mais dans le désespoir du rapport social qui s'inverse, le capital qui perce les murs, qui revient dans une fraternisation qui avait commencé à naître, le rapport social dominant revient.
Et on commence à lyncher, on commence à essayer de tuer les otages, etc. Donc, même une population d'une radicalité qui donne un espoir pour des générations et des générations, même ces gens-là, dans le rapport social dominant qui revient, ils craquent, et on le retrouvera après dans les camps, les capots, etc., pendant la Seconde Guerre mondiale, on finit toujours par ressembler au rapport dominant de notre époque. Et quand le capital revient, quand il perce les murs, c'est le rapport social de la violence et du thanatisme. Le capital, c'est le sadisme. Et quand le sadisme est là, c'est la contre-révolution qui frappe à la porte. D'ailleurs, Par juste. contre, juste un instant, on avait vu pendant les Gilets jaunes que, par exemple, ils avaient réussi à isoler un CRS sous l'Arc de Triomphe. Et il était entouré par la foule, mais la foule ne l'avait pas lynché, ils l'ont laissé partir. Il y a une conscience de classe quand même qui fait que ce genre de lynchage est possible dans certains espaces et pas dans d'autres, quoi. Et Ah bah c'est. d'ailleurs, le Traoré, la Adama Traoré, il a en prison violé son codétenu. Hein? Et le co-détenu qui s'était plaint de viol s'était fait tabasser par son frère. Mais ça, on n'a pas dit ça. On n'a pas vu les LGBT venir nous parler du pauvre co-détenu, là, j'ai pas son nom, qui s'était fait tabasser, puis violer, etc. Là, c'est occulté. Okay, alors, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idéologie antiraciste n'a pour objectif que de casser la lutte du prolétariat européen. Moi, je suis sur Rouen. L'année dernière, je ne sais pas, parce que je ne m'intéresse pas au foot en particulier, je ne sais plus quelle période c'était, il y a eu la Coupe d'Afrique de football. Et à Rouen, on était à la mi-juillet, il y a un étudiant guinéen, donc noir, qui s'est fait massacrer à coups de poing et à coups de tesson de bouteille par un Turc qui soutenait ou l'équipe d'Algérie ou l'équipe du Maroc, je ne sais pas, et qui l'a massacré en lui disant « T'es qu'un sale nègre ». Le spectacle antiraciste fait le choix, il fait ses courses. L'objectif du spectacle antiraciste, c'est de casser la lutte de classe du prolétariat. Comme l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est l'autre fille, quand Traoré, elle dit les gilets jaunes fachos. Les gilets jaunes fachos. Elle dit les gilets jaunes fachos parce que, alors, elle a beau être employée par la société Rothschild dans une de ses externalisations de protection de l'enfance, elle n'est pas dotée d'une grande culture. Donc, on pourrait. D'ailleurs, j'ai un correspondant qui m'a envoyé le livre de Tidiane Gaillet, qui s'appelle Le génocide voilé. C'est très intéressant parce que d'un côté, on a Tidiane Gaillet, alors qui n'est pas un révolutionnaire, mais c'est un homme de culture, c'est un homme d'histoire, et il a écrit Le génocide voilé, où il explique toute l'histoire de la traite arabo-musulmane, et il explique donc ce que Madame Traoré devrait savoir, c'est que le Mali, depuis que la France est partie, est plein d'esclavagisme. Moi, j'ai travaillé à plusieurs reprises à la préparation de documents et de documentaires sur les foyers Sanacotra dans les années 70-80. Et dans les années 70-80, les Maliens, entre eux, reproduisaient les agencements esclavagistes, mais anté-coloniaux. C'est-à-dire qu'il y a des villages d'esclaves, il y a des villages de non-esclaves, il y a des familles d'esclaves, il y a des familles de non-esclaves. Et dans le foyer Sonacotra, il y avait des mecs qui étaient mis à la peine aux corvées. La corvée du ménage, la corvée de la bouffe, parce qu'ils étaient issus d'une ascendance esclavagiste, esclavagisée. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs correspondants qui m'ont envoyé des liens. Vous pouvez trouver sur Internet un certain nombre de liens où on voit le Mali contemporain. Madame Traoré n'en parle pas, pourtant elle retourne de temps en temps au Mali. Au Mali, en fonction des histoires, des familles, des ascendances, il y a encore des gens qui sont interdits de certaines situations, de certains parcours, de certains villages, de certains emplacements. Donc le fait que l'homme soit esclavagisé, c'est bien un rapport social de production qui dépasse la problématique des couleurs, qui est liée à l'aliénation, à la rente foncière, à la rente industrielle et à la rente commerciale. Mais Madame Traoré, elle veut pas abolir le capital, elle veut pas détruire l'État et l'argent. D'ailleurs, je ne sais pas de quoi vit Madame Traoré. Il y a des t-shirts, il y a des camions, il y a des sonos.
On est dans un groupe révolutionnaire, on sait que tout ça, ça se paye, ça coûte. Donc, je ne sais pas de quoi ces gens-là vivent. Par contre, je sais de quoi vivait le prolétaire assassiné à Bayonne. C'était un prolo qui produisait de la plus-value. Et je sais que dans le combat de Madame Traoré, au bout, il n'y a pas la lutte de classe pour l'abolition du salariat et de l'État. Il y a la défense clientélisée d'une clientèle du capital qui est utilisée par le capital pour empêcher le surgissement de la lutte de classe internationale. Et donc, la véritable émancipation des hommes noirs et des femmes noires d'Afrique. Parce que on émancipera l'Afrique, on émancipera l'Europe, on émancipera les États-Unis, le Japon, et on émancipera la totalité de la Terre quand tous ensemble, par-delà tous ces clivages débiles, nous produirons la solidarité internationale du prolétariat révolutionnaire contre l'État et l'argent. Et ce n'est pas un hasard si la première formalisation historique des groupes communistes débouche sur l'AIT, la première internationale. Nous sommes internationalistes. Les États blancs, on les emmerde. Les États noirs, on les emmerde. Les États maghrébins, on les emmerde. On emmerde tous les États du monde et tous les capitalismes du monde, toutes les cliques politiques et syndicales. Nous voulons la destruction totale de tous les États et de toutes les réalités capitalistes nationales. Donc tous ces gens-là, c'est la contre-révolution. Tous ces gens-là, c'est la contre-révolution. Et notre perspective pour les mois qui viennent, après avoir dénoncé le mensonge du coronavirus, qui est un mensonge total, renvoyons les auditeurs au texte que nous avons produit, le coronavirus, c'est un gigantesque mensonge hallucinatoire du capital. Il n'y a jamais eu autre chose qu'une grippe saisonnière avec des trucages de statistiques et la mise sous masque de l'humanité tout entière. Et maintenant, on nous prépare une deuxième vague de dressage social parce qu'il faut absolument empêcher la radicalité communiste de s'épanouir et de se déployer. Donc, les mois qui viennent, contre le mensonge des clics antiracistes, contre le mensonge des clics écologiques, contre le mensonge des clics homosexualistes, contre le mensonge des clics LGBT, vive la révolution mondiale du prolétariat universel, abat tous les clivages, abat toutes les distances, abat tous les encerclements, abat tous les mensonges. Nous sommes le mouvement révolutionnaire du prolétariat universel. Nous n'avons pas de couleur, nous n'avons pas de destination autre que celle du communisme qui abolit toutes les assignations à résidence dans les tribalismes, dans les racismes, dans les névroses et dans toutes les opacités qui veulent nous empêcher d'être nous-mêmes en transparence avec le désir, la vie, l'amour et l'épanouissement. D'ailleurs, Macron l'a rappelé dans son discours du 14 juillet, la seule opportunité, c'est de continuer dans cette voie. Il parle même de guerre permanente, sous-entendu que la situation actuelle de l'encerclement antiraciste, viral, et toutes les mystifications derrière, écolo-bobo, etc., le capitalisme vert, c'est entre guillemets la seule opportunité qui reste pour contraindre la vraie deuxième vague qui, elle, existe, c'est-à-dire la deuxième vague de la France gilet jaune. Parce que s'il y a bien une angoisse, une angustia, une incapacité de résoudre dans le capital qui engendre une terreur sociale, parce que c'est du terrorisme, le coronavirus, on n'a pas quitté le champ du terrorisme. S'il y a bien un terrorisme de classe, un terrorisme étatique, c'est parce qu'il y a une angustia mondiale par rapport au fait que c'est la crise, il y a beaucoup d'entreprises, parce qu'on a mis en friche une certaine partie du capital pendant des semaines de confinement pour justement relancer la destruction du capital pour repartir sur un cycle d'accumulation. On va avoir les conséquences, parce que la mobilisation était partielle, c'est pas une guerre mondiale non plus, c'est pas une destruction physique et un embrigonnement militaire. Il va avoir la destruction d'emplois, et ces gens-là sentent bien, même s'ils sont pas dans le concept que ça va bouger à partir des mois qui arrivent, il faut absolument qu'il y ait des enclaves de contrôle social. Vite, on convoque les syndicats, on convoque les partenaires sociaux, premiers alliés, ça ils l'ont répété plusieurs fois pendant les semaines dernières. Et on convoque justement tous les mythes qui permettraient de contrôler justement la radicalité des mois prochains. Donc, s'il y a une angoisse réelle, si l'État injecte une angoisse dans la population par le mythe du coronavirus, c'est parce que lui-même est angoissé du fait qu'il produit sa propre invalidation. On va d'ailleurs parler des masques obligatoires et du coronavirus. Alors, on a la fausse deuxième vraie vague et on a l'imposition à tous les prolétaires du masque obligatoire comme mesure d'anti-expression et d'anti-émancipation. Alors, vous pouvez nous en parler, Francis ? Alors, j'y reviens, mais alors deux en choses. Général,
Je reviens tout de suite à ce que vous m'avez dit, mais j'ai un tilt parce que, bon, comme j'ai pas mal de correspondants qui me posent des questions et tout, alors, une chose qu'on a oublié de dire, un tout petit détail, esclave, ça vient de esclavus, slavus. Je renvoie les auditeurs à la grosse somme de Michine et au texte de Skirda, c'est-à-dire que dans l'Antiquité classique qui donne naissance au Moyen-Âge, le commerce des esclaves, dans sa gigantesque dynamique d'approvisionnement du bassin méditerranéen, c'est des esclavous, ce sont des slaves. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous avons parlé des Mamelucs et des Janissaires. À 80%, les Janissaires et les Mamelucs sont des slaves, c'est-à-dire des populations qui sont vendues par les Varègues, qui sont vendus par les Varègues au marché qui descendent sur le Caucase et sur la Crimée. Et donc, si on retrouve en Turquie et en Égypte tous ces Slaves qui sont vendus pour être janissaires ou mamelouks, en plus des populations rasiées, c'est bien que esclavus, c'est que le bassin d'emploi de l'esclavage, ce sont les Slaves. Donc ça, faut que les gens se le mettent bien dans la tête. Hegel et Marx nous disent, l'étymologie nous dit toujours le premier mouvement historique de la genèse effective du mouvement réel. L'étymologie dit tout. Dans l'étymologie, il y a tout le déployé du concept. Alors le masque, c'est fantastique parce que le masque est un baillon. Il y a une métaphore qui nous renvoie au fétichisme de la marchandise sur le masque. C'est-à-dire que le masque, c'est la crainte, le masque, c'est le non-dialogue, le masque, c'est ce que disait tout à l'heure Adrien, c'est la distance, le masque, c'est le dressage social, mais le masque, c'est en même temps l'incarnation du mensonge le plus absolu. C'est-à-dire que je renvoie les auditeurs au texte de Raoult, au texte de Perron, ou même, j'ai découvert, parce qu'une correspondante me l'avait envoyé, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une vidéo sur une chaîne israélienne, mais qui est visible, de l'ancien directeur du ministère de la Santé, qui s'est affronté à Netanyahou. J'ai plus le nom, je crois qu'il s'appelle Yoran Asra, un truc comme ça, mais bon, vous le trouverez, c'est le directeur du ministère de la Santé. Et il s'affronte à Netanyahou, et il y a des hommes de bonne volonté et de bonne intelligence, aussi bien au Maroc qu'à Marseille, ou même à Tel Aviv. Il dit, mais on nous ment, le virus est mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit le masque ? Le masque est une frontière de classe. Le coronavirus est un instrument de la lutte de classe. Pour casser la lutte de classe. Le gigantesque mensonge Floyd Traoré est un mensonge capitaliste pour casser la lutte de classe. Mais le masque nous est amené au moment où tous les hommes de terrain qui valident par une expérience probante la vérité des expérimentations concrètes nous disent « il n'y a rien ». Donc, grâce à ce masque, il y a une frontière de classe. Et moi, je disais toujours à mes proches, n'allez jamais à l'hôpital. Mais là, on est saisi d'une horreur, on est saisi d'une peur, parce que le virus n'est plus là, on nous dit de porter le masque, mais on a un corps médical qui, alors on parlait tout à l'heure de l'enseignement de l'histoire. Personne ne connaît la réalité de la colonisation et de la décolonisation, puisqu'il a fallu créer une zone frontière hermétique de distance entre les jeunes immigrés et les jeunes de souche. Faut pas que le prolétariat de la jeunesse s'unifie dans une conscience radicale, faut compartimenter les gens dans un apartheid, dans la repentance, dans la pleurnicherie, oui, la colonisation, oui, on est des salauds, etc. Bon, bref, on nous enferme dans un zoo pathologique. Mais le masque, c'est la même chose, parce que on voit, indépendamment de ce professeur israélien, de Raoult ou du directeur de l'hôpital de Garches en matière d'infectiologie, on voit une armée scientifique du capital, on voit une armée en blouse blanche dans les hôpitaux, infirmières, aides-soignantes, professeurs, chirurgiens, dressés à l'ignorance absolue. Et on se dit, mais putain, si demain j'ai un vrai problème et que je vais à l'hôpital, mais je suis face à quoi ? Je suis face à des gens
qui n'ont même pas la conscience pratique de leur discipline dans une compréhension logique de ce qu'est le bios. C'est-à-dire que, bon, quelque part, si je vais à Marseille et qu'il y a Raoult, ou si je vais à Garches, je vais dans l'hôpital lambda, où tous les mecs récitent la leçon du masque, la leçon du mensonge, la leçon de la deuxième vague, la leçon du « il faut pas de chloroquine ». Mais je me dis, mais c'est terrible, je suis en danger de mort. C'est-à-dire que le masque est une frontière de classe sur le savoir et sur l'ignorance, sur le mensonge et sur la vérité, sur l'hallucination et sur l'expertise, sur le fétichisme de la marchandise. Grâce au masque, la frontière de classe s'établit entre ceux qui l'imposent, ceux qui le subissent, et à partir de là, sur la manière dont nous allons nous en désengager. Parce que là, le masque, ils ne nous le mettent pas pour le 15 août et la fête de l'Assomption. Ils nous le mettent pour tout le trimestre de restructuration industrielle qui va produire la vague du 1 million de chômeurs. Mais en novembre, la nouvelle grippe, puisque chaque année, au mois de novembre, il y a une nouvelle grippe. Ils vont nous reconditionner. C'est-à-dire que le masque devient une vraie frontière de classe, de rébellion, de radicalité et d'intelligence. C'est-à-dire qu'à la limite, il va falloir qu'on porte le masque parce que bon, on n'a pas envie. Parce que alors, dans les cités, on a donné ordre à la police de ne pas intervenir pour que le trafic de la CAM puisse alimenter les racailles du haut. On ne va pas déranger les racailles du haut. Il faut bien que leur ravitaillement ait lieu. Donc, racailles du haut, racailles du bas, on vous laisse prospérer. Mais la mémé sur la plage qui n'a pas son masque, elle va se prendre une mandale de 135 euros. Le prolo classique, il va se prendre 135 euros. La racaille du haut et la racaille du bas, elles, non. Elles vivent un apartheid bénéfique. Elles sont exemptées de la prime à 135 euros. Donc, la question qui va se poser, c'est à quel moment va-t-il y avoir une protestation de masques? Donc, il va falloir prévoir de porter des masques avec des slogans. On va porter un masque, mais on rajoutera quelque chose. Faut produire de la sédition dans le masque. Je sais pas, moi, je suis masqué, mais vous ne me baïonnerez pas. J'en sais rien. Mais la manière dont les gens vont porter le masque tout en le récusant va être très intéressante. Le masque aussi, c'est parce qu'il y a le masque tel qu'il est promu par les médias, mais il y a aussi le masque tel qu'il est accepté par tous les abrutis qui veulent bien le mettre. Donc le masque, c'est aussi l'auto-asphyxie. C'est l'étouffement, c'est le recroqueviller sur soi, c'est la mise en friche du capital, mais c'est aussi la mise en friche des sourires et des rires dans la rue, du contact des regards, etc. Et ça produit d'ailleurs des effets complètement débiles. Il y a par exemple les ventes de rouge à lèvres s'effondrent. Enfin, c'est complètement absurde. Mais bien sûr, mais parce que c'est la mise en friche, c'est la mise en jachère. Le capital, par la mythologie du coronavirus, a mis en friche tout l'appareil de production, parce que la surproduction était telle qu'il fallait l'évacuer. Après, c'est la mise en friche de la lutte de classe. Mais c'est la mise en friche de l'histoire. Qu'est-ce que nous disent le coronavirus, l'affaire Floyd et l'affaire Traoré? On est au cœur de ce que dit Marx. Le capital de la domination réelle, c'est le moment où le capital devient lui-même. La temporalité immobile parfaite. Il n'y a plus d'histoire, il ne doit plus y avoir d'histoire. Donc, les Noirs ne doivent pas connaître leur histoire, les Blancs ne doivent plus connaître leur histoire, les Maghrébins ne doivent plus connaître leur histoire, les Asiatiques ne doivent plus connaître leur histoire. Le capital a mis l'histoire en vente. Il n'y a plus d'histoire. Nous sommes dans l'éternel présent du mensonge capitaliste qui tourne sur lui-même. Toutes les ouvertures dont nous avons parlé, l'esclavage des Blancs, l'esclavage des Noirs, la traite, le prolétariat industriel au XIXe siècle dans les usines anglaises, la gigantesque déportation des Irlandais, le camp de concentration anglais sous Henri VIII et sous Cromwell. Mais les gens ne connaissent rien. Que les gens soient blancs, noirs ou jaunes, nous sommes dans le règne de l'ignorance totale du fétichisme de la marchandise. Et ce confinement, c'est le moment ultime où l'ignorance tourne sur elle-même. Quand on voit ces pauvres bougres complètement desséchés dans leur voiture, avec le masque, éventuellement des gants, on dirait des débris circulatoires, des épaves de servitude, des néants d'ignorance. Le capital produit une industrie de masse
de la crétinisation absolue. Et le degré sublime, c'est quand l'abruti est masqué. Il est complètement enfermé dans son angoisse. Il est déjà mort, l'abruti masqué. Il n'a plus d'intentionnalité historique. C'est un déchet social. Mais pour parfaire l'enfermement total, on lui dit, mais tu sais, tu es déjà mort, mais attention, il faut que tu aies peur de la mort. Donc, les morts vivants ont peur de la mort. Et c'est le degré ultime de la servitude totale. C'est-à-dire que, pour la première fois dans l'histoire, le Capital, 1984, sont réalisés. Quand vous lisez la perfection cybernétique de l'ingénierie sociale de la marchandise dans le sixième chapitre, et quand vous lisez « La liberté, c'est l'esclavage », le vrai, c'est le faux, et le mensonge de la vérité. Le ministère de la vérité qui crée le mensonge de la vérité supérieure. Et d'ailleurs, là, on en arrive à l'opération censure accélérée qui nous fait rebasculer sur le texte de 1842. On ferme les chaînes de Dieudonné, on ferme les chaînes d'égalité et réconciliation, on condamne le directeur de Rivarol, etc. Donc, nous ne sommes pas sur ce territoire-là, puisque nous sommes sur le territoire de la lutte de classe, de l'abolition de l'État et de l'abolition de l'argent. Mais il y a, sur ce terrain-là, un danger pour le capital. Plein de gens sont passés par égalité et réconciliation, parce que ça a été quelque part, et c'est un bain d'interrogation critique. Alors certes, ce n'est pas un bain d'interrogation critique qui débouche sur la lutte de classe radicale contre l'État et contre l'argent, puisqu'il y a toute une série d'illusions réformistes, néo-proudhonistes, moi j'aime bien Chavez, moi j'aime bien Poutine, moi j'aime bien Trump, etc. Alors que la conscience radicale, c'est abat tous les gangs capitalistes, abat les gangs capitalistes et abat tous les États. Mais comme le dit Marx dans le cadre de la Première Internationale, les gens ne basculent pas dans la conscience radicale totale du jour au lendemain. Il y a toute une série de bains intermédiaires. Et les bains intermédiaires, aujourd'hui, sont devenus dangereux pour le capital. Parce que qui dit bains intermédiaires et qui dit crise accélérée du capital, dit que plein de gens qui sont encore relativement réformistes, qui ont encore l'illusion qu'il faudrait une autre économie, qu'il faudrait une autre politique, sous le poids des événements et sous les dynamiques de la lutte de classe, peuvent basculer dans une radicalité supérieure. Donc, ce n'est pas anodin si effectivement la censure politique et médiatique du capital ferme ses lieux de diffusion en ce moment entre la dynamique aliénatoire du coronavirus, la dynamique aliénatoire du mensonge antiraciste, parce que thèse, antithèse, synthèse, l'en soi, le pour soi, le retour à soi, septembre, octobre, novembre, c'est le moment où le mensonge du coronavirus va se renverser et c'est le mensonge où la mythologie antiraciste ne va pas tenir. La lutte de classe est toujours la plus forte, parce que le coronavirus, c'est un mensonge, c'est une hallucination fétichiste. La lutte antiraciste, c'est un mensonge, c'est un fétichisme hallucinatoire. Mais la lutte de classe, c'est l'objectivité concrète et matérielle du rapport social de production. C'est une force incroyablement puissante et qui ne peut pas être arrêtée. On peut la retarder, on peut la neutraliser, mais on ne peut pas empêcher qu'elle surgisse, puisque du fond de la baisse du taux de profit, du fond de la crise des taux d'intérêt négatifs, et du fond de la mise en jachère du capital, et du fond de tous les mensonges politiques qui s'effondrent, la lutte de classe va surgir. Et alors là, on en arrive au municipal. 46 millions d'inscrits, 6 millions de votants. 46 millions d'inscrits, 6 millions de votants. Le bastringue aliénatoire votard est mort. Les bobos des centres-villes et les clientèles immigrées des quartiers, ça fait Marseille, ça fait Lyon, ça fait tout ce que vous voulez, mais ça fait 15% des votants. 15% des votants. Le bobo de Lyon, dont la première mesure est de généraliser l'écriture inclusive du capital, il a été élu avec 15%, le bobo. 15%. Donc, la mystification électorale de l'emprisonnement votard est mort. La lutte de classe arrive, elle sera forte, elle sera puissante, et c'est pour ça que la censure devient gigantesque. La censure devient gigantesque. Mais avec le retour de la lutte de classe, c'est pour ça que la censure est décisive. On va avoir toute une série de groupes gauchistes
qui vont essayer de récupérer le prolétariat, de l'enfermer dans des voies de garage. Et la censure est une arme qu'ils ont toujours utilisée. On voit qu'il y a une vraie distinction radicale entre les communistes et les bolcheviques, etc. C'est pas pour rien que Babeuf appelle Robespierre Maximilien l'exterminateur et Trotsky l'exterminateur. C'est des gens qui, les gauchistes sont toujours des gens qui disent la fin justifie les moyens. Donc on peut tout casser, on peut tuer l'adversaire, on peut le censurer, on peut l'empêcher de parler sous prétexte qu'on a un idéal. Alors mais c'est obligé de déboucher sur la monstruosité parce que justement quand on est hegelien, on comprend que la fin, les moyens, c'est une même dynamique. Et qu'il ne peut pas y avoir, si on veut, le communisme qui est l'avènement du beau, du vrai et de la vérité, ça peut être que par une dynamique du contradictoire, que ce soit sur l'imposture écologique, l'imposture dans la médecine du capital. Il y a la chloroquine, mais il y a toute la médecine, hein, les vaccins, tous les machins dont on parlera peut-être dans une autre émission, l'imposture à tous les niveaux. Il faut que par le contradictoire, le prolétariat s'affirme par rapport à ça. Et donc la censure et le masque, c'est vraiment l'outil du capital et ça va s'accélérer de plus en plus fort pour empêcher les gens de sortir de leur malaise enfermé sur eux-mêmes. Le gauchisme est la pourriture la plus concentrée du capital. Les trotskistes ont massacré les marins de Kronstadt en prétendant que c'était des gardes blancs. La pourriture morale est consubstantielle au trotskisme dès Kronstadt et même avant. Et pour les libertaires, c'est la même sauce. Les staliniens ont fusillé les barricadiers de 37 parce qu'ils étaient épaulés par les ministres de la CNT. Les ministres de la CNT ont offert un Ausweis aux milices stalinistes pour massacrer les prolos de Barcelone en 37. Donc le gauchisme, chaque fois qu'il a un moment d'implantation, et toujours du côté des fusilleurs du prolétariat. Et j'ai voulu faire ce test au moment où le prolétaire de Bayonne a été lynché par la racaille Lumpen. Vous pouviez aller sur le site de Hello, sur le site du NPA, toutes les alternatives libertaires. Il n'y a pas une secte gauchiste du capital qui a eu un mot pour le prolétaire de Bayonne lynché par la racaille Lumpen. Mais ça nous ramène au débat de la Première Internationale, Marx et Bakounine. Le texte qu'il y aura tout à l'heure et qui circule en première phase, en introduction à cette vidéo, le fourre-tout libertaire. Bakounine disait, ah oui, les Lumpen, c'est radical. Et il y a toujours eu une ligne de classe au sein de la Première Internationale entre le groupe Marx, Engels et les fourre-tout néo-proudhonistes, bakouninistes, libertariens, machin, etc. Le lumpen prolétariat est le pire ennemi du prolétariat. Il est toujours ce qui constitue l'assise des milices capitalistes pour fusiller le prolétariat. Et d'ailleurs, la phrase qui est reprise par Engels, qu'on retrouve dans toute leur correspondance, il dit dans le cadre des émeutes de quartier, dans le cadre des trafics de racailles, Dans les mouvements révolutionnaires, le prolétariat fusille la racaille en lui mettant un panneau autour du cou « à bas les voleurs ». Et pas « à bas les voleurs » parce que le communisme défendrait la propriété, c'est précisément parce que la racaille est propriétarienne. La propriété, c'est le vol. Mais le vol, c'est encore la propriété. Et la racaille accaparatrice, elle est aussi accaparatrice que la banque, la finance ou l'industrie de la dictature du capital. Quel est le point commun entre la racaille du haut et la racaille du bas? C'est la pathologie acquisitive, c'est la pathologie de l'appropriation. Le communisme, le surgissement prolétarien contre l'État et contre l'argent, c'est l'abolition de la névrose appropriative. C'est donc l'abolition des racailles du haut et des racailles du bas. Et on comprend très bien, quand Terra Nova est apparu, Terra Nova, laboratoire de recherche du capital pour que le gauchisme de la marchandise se réadapte aux enjeux géopolitiques de la modernisation industrielle et commerciale mondiale. Terra Nova, laboratoire de recherche du PS, mais aussi de toutes les cliques gauchistes qui sont à côté, disait, nous avons perdu le prolétariat. Le prolétariat, il vote Rassemblement National ou il s'abstient.
n'y a plus de prolo à gauche. Le prolétariat, il a quitté la gauche et l'extrême gauche parce que le prolétariat, il a compris que la gauche et l'extrême gauche, même s'il ne l'a pas théorisé d'une manière conceptuelle, c'est le camp du capital. C'est le camp du capital. Alors, le prolétariat, il n'a pas encore la conscience aboutie de ça, mais il en a l'instinct. Et les groupes comme Terra Nova, ben, ils ont bien vu qu'ils n'avaient plus d'électeurs. Donc, le front de gauche, il s'est clientélisé dans les banlieues de l'immigration. C'est-à-dire que le front de gauche, c'est quelques fonctionnaires paumés, quelques anciennement égarés. Il n'y a pas un prolo au front de gauche. C'est les résidus fonctionnaires et l'immigration. Et les Verts et le PS, c'est les bobos de la centralité des villes. Donc, si vous voulez, si je prends le prolétariat de la France périphérique, il vote Rassemblement national ou il ne vote pas. Et si je prends les mégapoles du capital, il y a les immigrés qui votent à gauche, rose-rouge, et il y a les bobos centraux qui votent vert. Mais il n'y a plus de prolo. Donc, il est évident que le NPA, LO et toutes les cliques trotsco-libertaires qui courent après les fonctionnaires désabusés en instance dépressive ne vont pas avoir un discours radical vers le prolo. Ils ont un discours écolo, homosexualiste, capitalisme vert, pro-immigré. Donc, les sectes gauchos trotsco-libertaires, le prolétaire de Bayonne, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Par contre, si le prolétaire de Bayonne s'était appelé Mohamed et qu'il avait été flingué par trois racailles skinhead bien bourrées de bière, alors là, on aurait eu des communiqués à l'infini. Donc, le coronavirus a marqué la ligne de classe. Il y a ceux qui ont dénoncé le mensonge capitaliste du coronavirus. Puis il y a tous les couillons gauchos. L'État n'occupe pas sa fonction, il n'y a pas assez de masques, l'État ne nous soigne pas bien, l'État capitaliste n'a pas prévu. C'est-à-dire que les gauchos, la gauche du capital et les gauchos, sont rentrés dans le mensonge du coronavirus pour expliquer que l'État du capital n'était pas performant. Mais la ligne de classe que nous avons défendue, le coronavirus est un mensonge de classe, il y a nous et quelques autres. Mais c'est ça la ligne de classe. Le capital est mensonge absolu sur tous les terrains. Et c'est pareil pour l'antiracisme. Et c'est pareil pour le réchauffement climatique. Et c'est pareil pour le capitalisme bobo. C'est pareil pour les mythes homosexualistes. Tout ce qui est mis en scène par le capital et qui est reproduit par les multinationales du capital est mensonge. Aujourd'hui, une multinationale, elle gère une image de marque au niveau mondial de sa publicité idéologique. Donc, une multinationale, elle est « black is beautiful ». Elle est vert et merveilleux. L'homosexualité est sublime. Voilà. Ce sont les trois chartes d'une multinationale capitaliste. Elle est antiraciste, elle est homosexualiste et elle est capitalisme vert. Donc, c'est l'articulation centrale de la reproduction fétichiste de l'aliénation mondiale. Donc, qui ne comprend pas ça et qui ne comprend pas ces trois mensonges fondamentaux est condamné à être lui-même une reproduction aliénatoire du capital. Donc, c'est très clair, le masque est aujourd'hui une ligne de classe, comme le coronavirus est une ligne de classe. Et d'ailleurs, Raoult sans le vouloir, Raoult sans le savoir, à travers la chloroquine, on l'a dit, il a positionné une violence de classe. On m'a envoyé un truc qui est complètement hystérique, le philosophe médiatique, là, Eindhoven. Eindhoven, mais c'est Bourvil et de Funès en même temps. Il se met à hurler sur Raoult, il est pris d'une danse de Saint-Guy, mais c'est fantastique. C'est-à-dire que Raoult, sans le savoir, il y a une ligne de classe sur la chloroquine. Et comme Bandit avait fait pareil d'ailleurs. Donc si vous voulez, on veut nous masquer, on veut nous empêcher d'accéder à l'histoire. On construit une histoire mythologique pour que plus personne ne comprenne rien à rien. Mais en même temps, le temps de la crise est tellement puissant que ça pète de partout. Donc les gens ne connaissent pas l'histoire de l'esclavage, les gens ne connaissent pas l'histoire du capital, les gens ne connaissent pas l'histoire des civilisations orientales, les gens ne connaissent pas l'histoire des mensonges des civilisations orientales et des civilisations occidentales. Les gens ne connaissent plus rien. Ils sont complètement zombifiés
abruti. Mais dans le même temps, le système est tellement en bout de course qu'il fuite partout. Il fuite partout. Et donc, les gens ont bien compris qu'il y avait quand même quelque chose avec cette chloroquine. Et que ce quelque chose, bah, ça dessine une cartographie de la lutte de classe. Même si ça ne le dit pas comme ça, il y a un enjeu qui est celui du mouvement social révolutionnaire. Mais c'est encore plus drôle que ça, parce que je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais chez Bourdin, Raoult, bon, au-delà du fait qu'il a renvoyé Bourdin à ses contradictions fonctionnelles, il a dit justement sur le sujet de la chloroquine qu'il était justement l'instrument de la ruse de la raison, et qu'à la limite, ce n'est pas lui qui a créé le débat sur la chloroquine, c'est la contradiction du monde qui a fait que c'est devenu un sujet. Donc, là, quelque part, même les agents qui ne sont pas dans le concept commencent à avoir des outils, on sent que ça arrive. Mais ça va bien plus loin, parce que je sais pas si vous l'aviez vu, mais on parlait des zombies qui avaient peur de la mort. Mais en fait, ils ont peur de la mort parce qu'en fait, ils ont peur de la vie. Ils ont peur d'une vie d'émancipation parce qu'ils sont un bon zombie du capital. Du coup, forcément, ils peuvent réagir face à la radicalité qu'avec effroi. Mais ça va beaucoup plus loin parce que ils ont peur de la mort, mais ils n'ont pas peur du capital qui, lui, est la mort. Et pendant la période de crise où le virus existait, et on n'avait pas forcément la même terreur que ça, enfin, il existait, c'est-à-dire la grippette qui est réelle, on a interdit de soigner avec la chloroquine, mais on a généralisé le rivotril dans les EHPAD. Et le rivotril, on fait un tour de circuit avec ça, bon, on fait 2 km, quoi. C'est pour euthanasier les cancéreux en phase terminale, pour les accompagner, pour essayer d'éteindre un peu leur souffrance de fin de vie. Non, c'est Et bien. alors qu'on n'avait pas encore les tests pour fonctionner, dépister, pour savoir bon bah qui parmi les vieux aurait éventuellement le virus, on a généralisé le rivotril. Donc on interdit de soigner et on généralise l'euthanasie. On voit très bien que le capital, c'est une fabrique de mort. C'est C'est ça. le thanatisme Mais si vous absolu. voulez, en même temps, on voit la crédulité, parce que il y a une tendance à se poser des questions radicales, mais en même temps, il y a une bêtise incroyable. On dirait aux gens qu'il faut se mettre un slip sur la tête, un bouchon de champagne dans le derrière et du persil dans les oreilles, parce que le coronavirus peut arriver par tous les orifices, mais je suis sûr qu'on aurait une part importante de la population qui se persillerait, qui se champagneriserait, parce que les gens. Et c'est ce que vous disiez, le zombie, les gens ont peur de la vie. Parce que les gens, il faut bien se dire que dans le cadre du fétichisme de la marchandise et de l'aliénation généralisée, il y a des gens qui arrivent à 40, 50, 60 ou 70 ans qui n'ont jamais vécu. Il y a l'enclos familial de la restructuration pathologique de l'angoisse. Alors on est marié, on a eu des enfants, mais il n'y a pas de désir. On est là, on cogère l'angoisse. On est là à deux. On copule la misère au quotidien de l'abrutissement esclavagiste. Puis il y a le boulot, puis il y a le boulot. Et puis alors en plus, on a peur, parce que le boulot, on va peut-être le perdre. Donc si vous voulez, il n'y a pas d'interrogation. On est au degré ultime. C'est pour ça que Orwell, qui a vécu 37 à Barcelone avec le grand mensonge démocratique de la gauche du capital et l'extermination des ouvriers barricadiers, il écrit 1984 parce qu'il voit que ce qu'il a vu en 37 à Barcelone, dans un petit espace, sur une toute petite temporalité, va devenir la temporalité universelle de tous les espaces. Et Big Brother, ça n'est pas un roman d'anticipation. C'est une œuvre critique. C'est une critique radicale du fétichisme de la marchandise. Le ministère de la vérité, qu'il nous parle de la Seconde Guerre mondiale, du coronavirus, de la Première Guerre mondiale, de l'esclavage ou de n'importe quel sujet, est le mouvement industriel de construction du mensonge pour que le prolétariat reste asservi. Donc ça, c'est décisif. Et alors en même temps, ça me fait tilt le bac. Le bac, on a dépassé les 90% d'admis. Et alors dans le même temps, on apprend vaguement, vaguement. Alors, faut chercher un peu que le niveau moyen d'un quatrième, troisième en 2020 correspond grosso modo à un CM1 d'il y a 30 ans. C'est-à-dire que la machine a fabriqué l'abrutissement. L'enseignement de l'histoire est l'enseignement de l'ignorance historique, de l'ignorance existentielle, de l'ignorance de la réflexion et de la jouissance. Et on en revient au manuscrit de 44. Pourquoi y aura-t-il un jour révolution? Bien évidemment, parce que la baisse du taux de profit et la saturation des marchés aboutiront à une crise terminale du capital. Mais cette crise terminale du capital n'est pas une horlogerie mécanique qui produit la révolution. Ce qui produit la révolution,
C'est la rencontre entre l'effondrement du monde et le resurgissement du désir, de la volupté. Comment peut-on se tenir debout? Comment peut-on aimer? Comment peut-on jouir en acceptant tous ces mensonges, tous ces masquages, tous ces bâillonnages? C'est-à-dire que la vie est espérance, la vie est jouissance. Et je retrouvais un texte de Dostoïevski qui n'est pas d'une radicalité profonde, mais qui nous renvoie au pré-socratique. À un moment donné, dans l'Idiot, il dit « la beauté sauvera le monde ». La beauté sauvera le monde. Le communisme est un esthétisme. C'est-à-dire que la beauté, c'est pas simplement « oh, c'est beau ». La beauté comme transcendance. C'est-à-dire que on atteint le point entre le mensonge de l'antiracisme, le mensonge du coronavirus, le mensonge du capitalisme vert. On atteint le point où la beauté est expulsée du monde. La beauté est expulsée du monde. Le degré supérieur du fétichisme de la marchandise prive l'homme de tout émerveillement intérieur. Pendant des millénaires, l'homme a été émerveillement intérieur. Il a été tendresse, il a été conscience, il a été amour, il a été volupté, il a été savoir. Et il a été dans ce dialogue avec la beauté du monde. Et le capital est laideur. Il est laideur morale, il est laideur industrielle, il est laideur géographique, il est laideur culinaire, il est laideur absolu. Et ce qui va ressurgir, c'est cette tendance à la beauté. Donc c'est quand Dostoïevski dit « la beauté sauvera le monde », ça veut dire qu'il y a dans la fraternité communiste qui va éradiquer le capital cette beauté infinie qu'il faut retrouver. Et ce lieu majeur où les hommes d'Afrique, les hommes d'Europe, les hommes d'Asie, les hommes d'Amérique doivent se retrouver, c'est cette beauté où les hommes se retrouvent dans une véritable transparence qui fait qu'il leur est insupportable d'imaginer des solutions de sauvegarde réformisme d'un capitalisme local. On ne va pas faire du capitalisme émancipateur au Zaïre, on ne va pas faire du capitalisme émancipateur au Pérou, on ne va pas faire du capitalisme émancipateur en Lettonie, on ne va pas faire du capitalisme émancipateur en Inde. Abat tous les capitalismes émancipateurs, vive la beauté, le capitalisme est laideur. Le capitalisme est laideur par essence, qu'il soit noir, jaune, blanc, bleu ou rouge, le capitalisme est laideur. Et nous allons construire la perspective communiste de l'émancipation au terme de cette crise du coronavirus, qui est la crise du fétichisme de la marchandise et de tous ces mensonges, parce que des hommes vont se retrouver pour parler de la vérité, de la jouissance, de la conscience, de l'émancipation et de la beauté. Le communisme sera la beauté qui sauvera le monde, parce que nous retrouverons en densité la beauté de la saveur de l'émerveillement du monde. Et le communisme est beauté. C'est tout ce que Marx nous dit dans le troisième manuscrit, les manuscrits de 1844, quand il parle des sens, quand il parle de l'émerveillement et quand il parle de l'amour. Face à l'horreur du capital qui veut nous cloisonner, qui veut nous parquer, qui veut nous enfermer dans des eaux capitalistes pourries, nous allons retrouver la beauté, l'émerveillement, la sensation et l'amour. Et c'est ça le communisme. Le communisme n'est rien d'autre que l'homme qui s'épanouit dans l'amour et dans la beauté. Et ça présuppose de foutre à la poubelle tous les mensonges du capital dans lequel on veut effectivement nous incarcérer. Non, non, le capital ne pourra pas nous incarcérer. J'allais dire, si on a fini sur ça, il y a encore deux petits trucs à aborder. Alors, il y en a un, c'est très périphérique, il y en a un autre, peut-être, c'est plus intéressant. Il y a le remaniement et il y a l'affaire Fillon. Ah, bah, l'affaire Fillon, elle est décisive. Bah, je vous lance. Allez. Il y avait aussi l'écologie, on pourrait revenir sur l'étymologie de l'écologie. Oui, aussi. Alors, l'affaire Fillon, elle est géniale parce que, bon, on avait fait une vidéo au moment où elle a éclaté. On avait fait une vidéo à chaud au moment où l'affaire Fillon éclatait. Et il était évident que dans la crise de toute la géopolitique du capital et de toutes les restructurations, l'OTAN, c'est pas simplement un commerçant afro-libanais qui lui a vendu deux costards et puis qui a été le dénoncé après. Ça, c'est l'écume des choses. Il y a
il y a l'ordre mondial. D'ailleurs, je vous signale que l'armée américaine vient d'envoyer 100 hélicoptères à la Palice. Au nord de La Rochelle, il y a des essais militaires avec des hélicoptères américains qui peuvent jouer en guerre militaire externe, mais qui peuvent jouer en guerre militaire interne sociale. C'est-à-dire que il y a une restructuration. Dans le même temps où il y a un conflit aux États-Unis entre l'État profond démocrate, l'État invisible du fétichisme de la marchandise et la classe capitaliste industrielle avec Trump, le Pentagone, la CIA, la NSA jouent des réagencements et personne n'en a parlé, on a 100 hélicoptères d'occupation de l'OTAN qui débarquent en Charente-Maritime. C'est bien, j'y suis pas pour le moment. Mais l'affaire Fillon, alors, comme toujours, il y a toujours un conflit interne dans les appareillages bureaucratiques, les narcissismes, les crépages de chignon. On a Madame Fanfreluche du procureur général et Madame Fanfreli parquet financier. Tout le monde se bouffe le nez et on apprend qu'en temps réel, toute la mécanique gouvernementale des profondeurs a décidé de flinguer Fillon. Donc Fillon, c'est un putsch militaro-électoral. C'est un putsch militaro-électoral. Il était convenu dans les restructurations de l'OTAN et dans la géopolitique que c'était Macron qui prenait le relais. Et Macron prenait le relais parce qu'au deuxième tour, il y avait Madame Le Pen et que dans les plans réalisés par le capital sur la comète, il est invariablement fixé que dans le cadre de ce duel, c'est Macron qui passe. Et d'ailleurs, l'Élysée travaille pour les prochaines, peut-être pas sur Macron, peut-être Sarkozy qui reviendrait, parce qu'on en reparlera avec LR, tous les réagencements politiques, bon, qui sont sans intérêt, parce que tout ça, c'est les excréments de la réorganisation du capital, ça nous intéresse que peu. Mais Fillon, je l'avais dit à l'époque, il avait deux mauvaises cartes dans sa doublure. D'abord, par rapport à la mode du progressisme LGBT, il représentait un électorat traditionnel, puisqu'il était épaulé par tous ceux qui s'étaient opposés au mariage pour tous. Et puis, surtout, il avait, dans la configuration de l'époque, parce que Macron a bougé, mais dans la configuration de l'époque, il était suspect de vouloir possiblement enclencher un rapprochement avec Poutine et donc de nous dégager pour le Moyen-Orient des folies paranoïaques de Fabius. Donc, il fallait absolument pas que Fillon passe. Donc, Fillon a été flingué d'une manière strictement organisée. Mais dans la mesure où il a été flingué d'une manière strictement organisée, la magistrature, qui est la magistrature du capital, qui est donc la magistrature de la géopolitique générale, les magistrats sont constamment, vous vous rappelez du mur du syndicat de la magistrature, les magistrats, à travers l'école des magistrats de Bordeaux, c'est un bain de macération toxique qui reproduit tout le fétichisme de la marchandise. C'est-à-dire, je suis homosexualiste, je suis pro-immigré, je suis capitaliste vert. Donc, en plus, le feu vert de l'appareil d'État, Fillon, il avait très peu de chances de s'en sortir. Donc, il s'est pris le maximum, mais il s'est pris le maximum parce que maintenant, le mensonge fétichiste ne peut pas se déjuger. Il y a aussi sans doute que l'espace politique est aujourd'hui tellement vide qu'il faut continuer de le flinguer pour éviter qu'il ne revienne. Mais si vous voulez, il y a toujours eu des magouilles politiciennes. Roland Dumas, avant de quitter le Conseil constitutionnel, avait expliqué toutes les magouilles de la réélection de Chirac. Les dépenses de campagne, les faux votes, mais bon, on pouvait pas déjuger l'élection de Chirac. Donc le Conseil constitutionnel valide une opération mythologique du fétichisme de la marchandise. Il est là pour ça. Mais là, c'est la même chose. On n'imagine pas, même si le dossier Fillon est finalement vide, Fillon, il a pas utilisé plus de costards que Jack Lang au fil du temps. Et des députés de gauche ou de droite qui ont mis bobonne avec une petite serpillière ou une serviette au Sénat ou à l'Assemblée nationale, il y en a eu des centaines.
Donc, Fillon n'a pas fait pire que les copains. Mais le jugement ne peut pas dire ça. Parce que l'affaire Fillon et la mise en examen de Fillon, ça a complètement transformé le vote. Donc, ça a empêché Fillon. Fillon serait le président de la République. Si les élections s'étaient constituées dans un canevas logique, dans la formalisation de la primaire des Républicains, et avec un second tour Fillon-Macron, Fillon passait. Donc, aujourd'hui, ne pas condamner Fillon lourdement, c'est dire, ben, finalement, on a modifié les élections pour rien. Et donc, aussi, il faut impérativement dire qu'on les a modifiées pour quelque chose. Et aussi, il y a un liquidage de Fillon symbolique pour éviter de liquider, j'ai envie de dire, les vrais criminels du capital. C'est-à-dire, on liquide Fillon, on a liquidé quelque part Balkany, on liquide Maznev, mais on liquide jamais ce qu'il y a derrière et ce qui est vraiment dangereux et ce qui est vraiment monstrueux dans le capital. Mais c'est normal, le fétichisme de la marchandise est une fétichisation universelle qui nous donne à consommer du fétiche périphérique pour protéger la fétichisation centrale. Donc on a régulièrement des opérations qui sont des opérations de divagation, d'égarement et de diversion. Donc tout ça est normal. Mais ce qui est intéressant, c'est que entre ce que nous avions dit au début de l'affaire Fillon et ce que nous pouvons dire maintenant, puisque justice du capital est passée, c'est que effectivement, il a été flingué pour une réorganisation de la géopolitique du capital et que c'était tellement important que ça ira jusqu'au bout. C'est-à-dire que il y a eu des centaines de parlementaires ou de sénateurs qui se sont exactement conduits comme lui, à gauche et à droite. Le Canard Enchaîné a publié, puisqu'il sort le mardi soir pour le microclimat et en presse le mercredi matin, je crois que le soir à 18h, Europe 1, BFM TV, tout le monde relayait, et la procédure était mise en marche dès le lendemain, le mercredi. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la Ve République. Mais tout est normal. Tout est normal. C'est l'organisation fétichiste du capital. Alors, on n'a pas à nous à défendre Fillon, on s'en fout. Tous les gangs capillon, on ne défend pas plus Poutine que Trump, que Fillon, on s'en fout. Tous à la poubelle, abolition de l'État et révolution sociale. Mais le fait qu'on soit contre tous les gangs politiques, ça ne nous empêche pas d'analyser les méandres des restructurations, des polarisations, des liquidations. Ah oui, vous aviez posé une question sur le gouvernement. Alors, le gouvernement, on est à l'étape supérieure. On est à l'étape supérieure de la cristallisation crisique. Macron, qui avait eu si peur en décembre 2018 que les gilets jaunes viennent le rapter à l'Élysée, c'est très bien que ça va ressortir. Et vous avez vu ce qui s'est passé aux Tuileries, même si ça a été amenuisé, neutralisé. Brigitte veut plus sortir de l'Élysée et lui, il est paniqué. Donc, il passe à l'étape supérieure. Il est à la fois le président de la République et le Premier ministre. Il centralise la totalité des positions de décision parce que comme il l'a dit pour le coronavirus, on est bien en guerre, mais on est en guerre parce que derrière le mensonge du coronavirus, il y a la guerre de classe. Alors, Castex croit que la Guyane est une île, Macron croyait que la lutte de classe, ça n'existait plus. Ces gens-là ont des connaissances historiques extrêmement réduites. Ils sont dans l'inculture académique du médiatisme et du crétinisme universitaire. Mais ils ont un instinct panique. Ils ont un instinct panique. Et cet instinct panique leur fait dire que les temps qui viennent seront chauds. Les temps qui viennent seront chauds. Et donc, on a un resserrement fonctionnel. Et à partir de là, tout est clair. Et le resserrement fonctionnel, c'est que le garde des Sceaux ne nous dit pas « je suis ministre de la Justice ». Il nous dit « je suis ministre de l'antiracisme ». C'est-à-dire que l'antiracisme devient un compartiment mythologique, idéologique supérieur à la justice elle-même, on est au cœur de Orwell en 1984. C'est-à-dire que les bombes qui tombaient sur Londres, c'est le gouvernement lui-même qui les faisait exploser. Le gouvernement lui-même va faire exploser régulièrement des bombes racistes, antiracistes. Vous savez, il y avait une structure qui s'appelait SOS FOC. SOS, FOC, SOS est toujours suivi de ce que l'on veut préserver.
SOS s'appelle pas SOS antiracisme. SOS s'appelle SOS racisme. Donc il y a un lapsus idéologique dans le fétichisme de la marchandise. Quand on se dit SOS phoque, on veut sauver les phoques. Quand on se dit SOS racisme, on veut sauver le racisme. Donc le mythe du coronavirus et le mythe du racisme qui est produit par l'État pour après produire le mythe de l'antiracisme, ce sont les dernières cartouches d'un capitalisme en totale décomposition. Donc c'est pour ça, les mois qui viennent doivent être des mois de fracture, des mois de radicalité. Nous devons casser les cordons sanitaires de la mythologie capitaliste. Nous devons expliquer, nous devons intervenir pour qu'il y ait cette radicalité ouvrière radicale dans la tradition communarde du prolétariat européen, mais nous devons tendre la main à tous ces hommes des autres continents et des autres cultures qui ne sont pas les cultures du manifeste communiste pour les aider à comprendre que toute solution néo-capitaliste, néo-indigéniste, néo-restructuratrice, peu importe, est une imposture. L'émancipation de l'humanité et l'émancipation de tous les continents, c'est la destruction de l'État, c'est la destruction de l'argent, et c'est la solution mondiale de la commune universelle à zéro État. Donc il y a des hommes qui s'interrogent de toutes les frontières, de tous les continents. Il faut élaborer avec eux de véritables solidarités ouvrières et paysannes. Abat tous les États, abat le capitalisme universel et vive la commune mondiale. Thank you.